Je peux vous donner ceci, vous le lirez tranquillement. Bonjour monsieur. Je peux vous donner ceci, vous le lirez tranquillement. Ça concerne votre salut. Tout est expliqué ici. S'il te plaît, tu veux bien me lire les paroles exprimées par le Seigneur Jésus de retour, Dieu Tout-Puissant L'apparition de Dieu a apporté une nouvelle ère. Elle assume l'œuvre de Dieu dans les derniers jours et est une expression de tout le tempérament de Dieu que l'homme doit en arriver à connaître. Ne désirais-tu pas ardemment voir le Dieu du ciel Ne désirais-tu pas ardemment comprendre le Dieu du ciel Ne désirais-tu pas ardemment voir la destination de l'humanité Il te dira tous ses secrets jamais dévoilés. Et il te dira même des vérités que tu ne comprends pas. Il est ta porte d'entrée dans le règne et ton guide dans la nouvelle ère. Je t'attends. Je guette ton retour. J'attends depuis toujours que tu reviennes, Seigneur. C'est vraiment toi Est-ce que je peux enfin me réjouir Est-ce que Dieu Tout-Puissant annonce vraiment ta seconde venue Pastor Lee, prédicateur Ju, je suis sûr que dans vos églises, on sait déjà que l'église de Dieu Tout-Puissant a publié de nombreuses déclarations de Dieu Tout-Puissant dans de grands journaux coréens pour annoncer au monde que le Seigneur Jésus est revenu dans la chair et qu'il a exprimé plusieurs millions de paroles. C'est vraiment prodigieux. Qu'est-ce que vous en pensez J'ai lu des paroles de Dieu Tout-Puissant qui ont été publiées dans le journal et j'avoue qu'elles sont effectivement profondes comme si Dieu les avait inspirés. Je doute qu'un homme ordinaire ait pu dire ces mots. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont effectivement très profondes, mais comment prouver que Dieu Tout-Puissant est l'avènement du Seigneur Jésus D'après les Écritures, il est dit pour le retour du Seigneur, il vient avec les nuées et tout œil le verra, mais on n'a toujours rien vu de tel. Je me suis déjà penché sur cette question. La Bible a prophétisé que le retour du Seigneur pourrait également se faire par d'autres voies. Apocalypse chapitre 16. Il est écrit, Voici, je viens comme un voleur. Comme un voleur veut sans doute dire une arrivée dans le secret. Si le Seigneur Jésus, à son retour sur terre, descend sur une nuée, afin que tout le monde le voie, comment peut-il être revenu comme un voleur Les paroles prononcées par le Seigneur ne saurait se contredire. Ces prophéties s'accompliront et toutes vont se réaliser les unes après les autres. Dans les Écritures, les prophéties indiquent que le Seigneur reviendra de deux manières et selon deux méthodes distinctes. La première est secrète. La seconde est à la vue de tous. Ce qui démontre qu'il n'y a pas de contradiction entre ces deux prophéties. Alors il y aurait deux méthodes. L'une serait secrète et l'autre publique. C'est ce que la Bible annonce. Il y a plusieurs écrits faisant référence au fait que le Seigneur reviendra en tant que Fils de l'homme. Une chose qui est expressément formulée dans Luc chapitre 17. Ça montre qu'il n'y a aucun doute à avoir sur ce propos car il est écrit, Car comme l'éclair resplendit et brille, d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. D'ailleurs, les termes fils de l'homme et souffre beaucoup sont des mots forts et évocateurs qui font probablement référence à Dieu incarné. Ce serait comme lors de sa première venue, quand le Seigneur Jésus a été traité comme un homme ordinaire et que personne ne se rendait compte qu'il est le Messie, le Christ et le Sauveur du monde. Uh -huh. C'est justement parce que Dieu avait pris l'apparence du Fils de l'homme que les gens n'ont pas été capables de reconnaître qu'il s'agissait de Dieu. Hmm. Et ainsi donc, voilà pourquoi l'incarnation de Dieu en tant que Fils de l'homme est devenue une chose cachée. Hmm. Ce qui d'ailleurs concorde avec la prophétie des Écritures selon laquelle le Seigneur reviendra comme un voleur. Si vous voulez mon avis, la prophétie du retour du Fils de l'homme, fait référence à l'incarnation de Dieu revenant en secret parmi les hommes. Ça paraît logique. Et maintenant que j'y pense, le retour du Seigneur Jésus peut d'abord se faire en secret en tant que Fils de l'homme, précédant son retour public sur une nuée. C'est un fait que bien des exégètes des Écritures ont reconnu. Il y a une question que je me pose. Si, comme vous le dites, le retour du Seigneur Jésus est d'abord secrète et ensuite publique, quelle œuvre est accomplie par le Seigneur entre son retour caché et sa manifestation publique Certains écrits de la Bible prophétisent que le Seigneur reviendra pour accomplir une œuvre de jugement. Par exemple, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde. Avec justice, et les peuples selon sa fidélité. Ou encore, je m'approcherai de vous pour le jugement. Le mot vaincre est également mentionné à de nombreuses reprises dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et dans le verset 17, il est écrit À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et ainsi de suite. D'après ces écritures, je pense que, durant la période où Dieu reviendra, comme le Fils de l'homme en secret, il profitera de ce temps et commencera l'œuvre de jugement en créant un groupe de vainqueurs. Avez-vous d'autres références qui appuient ce que vous affirmez Le Seigneur Jésus a déclaré, J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ici, il est affirmé que l'Esprit de vérité guidera l'homme dans toute la vérité. J'ai l'impression que ces prophéties font directement allusion à Dieu, s'incarnant dans les derniers jours, et exprimant des vérités pour accomplir son œuvre de jugement. Effectivement, oh, vous je vous me souviens de ce que disent les Écritures. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Ici, il est affirmé que Dieu répandra son esprit sur ses serviteurs et ses servantes. Ce passage fait référence à l'œuvre du jugement dans la maison de Dieu. Au cours de laquelle sera créé le groupe des vainqueurs qui survivront. Et j'en conclus que les serviteurs et les servantes dont parle la prophétie seront certainement les premiers fruits initialement créés par Dieu et ceux qui le serviront plus tard dans son royaume. C'est très probable. Et finalement, je dirais qu'accepter l'œuvre de Dieu lors de son retour caché est ce qu'il y a de plus raisonnable. Alors vous... Ah, mais oui, je m'en souviens à présent. Il y a une autre référence. Dans l'Apocalypse, il est écrit ⁇ car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie ⁇ Là, il est expressément dit ⁇ l'agneau les pètera ⁇ en référence à Dieu incarné, comme le Fils de l'homme, revenant pour être le berger des hommes. Il semble donc évident que Dieu lui-même s'incarnera comme Fils de l'homme pour venir en ce monde afin d'accorder ses eaux de la vie à l'homme et au travers de cela de créer un groupe de vainqueurs. C'est aussi ma conclusion. Et je suppose que durant le temps où le retour de Dieu se fera de manière cachée, il s'emploiera à parfaire le groupe des vainqueurs en leur exprimant de nombreuses vérités. Nous devons saisir l'opportunité d'accepter le salut de Dieu. Sinon, quand Dieu se manifestera de manière publique, il sera alors trop tard et nous n'aurons que des regrets. Exact. Je suis d'accord avec vous, mais que son retour ait lieu de manière publique ou en secret, comment saurons-nous que c'est bien lui qui s'exprime Dieu Tout-Puissant est-il bien l'avènement du Seigneur Jésus ou non Je me souviens qu'un jour, les disciples du Seigneur Jésus lui ont demandé comment recevoir le retour du Seigneur. Et il leur a répondu, soyez une vierge sage. En effet, les vierges sages mettent toute leur attention à écouter la voix de Dieu. Quand quelqu'un annonce que Dieu est venu, elles sont en mesure de reconnaître que c'est la voix de Dieu et de se précipiter pour l'accueillir. Ce qui veut dire que nous devrions aussi chercher attentivement à entendre la voix de Dieu. Et est-ce que Dieu Tout-Puissant est l'avènement du Seigneur Jésus c'est une question que nous devons examiner et nous devons nous efforcer de mieux comprendre les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant. Maintenant que des gens de l'Église de Dieu Tout-Puissant ont attesté que le Seigneur Jésus est revenu et qu'il a déjà pris la parole, alors nous devrions aussi prier et réfléchir, discerner avec sagesse et ne pas nier ou condamner aveuglément. Nous devons lire davantage la parole de Dieu Tout-Puissant et après l'avoir lue. Nous serons naturellement en mesure de savoir si c'est bien la voix de Dieu. Ji Yang, tu as accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours en Chine Oui, je voulais vous en parler à toi et ton épouse. Merci d'être venu me chercher, mon frère. Jiang, tu viens à peine de rentrer de ton séjour en Chine. Je pense que tu devrais d'abord te reposer. D'accord. Et si tu veux, j'inviterai mes amis à l'église demain. L'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours est un sujet qui les passionne également. Nous pourrons débattre. Excellente idée. Allez, viens, je t'accompagne. Mes frères et mes sœurs, nous sommes dans l'ultime période des derniers jours. Presque toutes les prophéties évoquant le retour du Seigneur se sont réalisées. Le temps du retour du Seigneur Jésus est maintenant venu. Certains affirment qu'il est déjà là, et c'est fort probable. C'est donc la raison pour laquelle il est si important d'étudier attentivement l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, principalement au cours de la période des derniers jours, pour accueillir le retour du Seigneur. En ce moment, nous pensons tous aux faux Christ qui se manifesteront au cours des derniers jours. Nous veillons surtout à nous protéger des faux Christs. Et sans doute avons-nous un peu négligé cet événement crucial qui est la manifestation de Dieu dans les derniers jours, c'est-à-dire le retour du Seigneur Jésus. Nous ne pensons qu'à nous prémunir contre les faux Christs, alors que nous devrions passer davantage de temps à rechercher activement la manifestation de Dieu et nous concentrer principalement sur l'étude de l'œuvre de Dieu. Je trouve cette situation bien triste, car l'accueil du retour du Seigneur Jésus ne devrait être pour nous que bonheur et délivrance. Or, il faut pour cela savoir distinguer le vrai Christ des faux Christ. C'est à cette seule condition que nous pourrons ou non être conduits devant le trône de Dieu. L'ennui, c'est que nous ne sommes pas encore en mesure de comprendre comment discerner le véritable Christ des usurpateurs. C'est pourquoi j'ai demandé à Sir Cho de venir aujourd'hui, pour nous expliquer comment les distinguer. C'est cette vérité que nous avons désespérément besoin de comprendre. J'ai entendu dire que plusieurs cas de faux-Christ ont été relevés dans les cercles religieux de différents pays. De nombreuses personnes en Corée manquent de discernement, ce qui les entraîne à suivre de faux-Christs qui les trompent. Je vous rappelle la prophétie du Seigneur Jésus. Si quelqu'un vous dit... Alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux-Christes et de faux-prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. En tout cas, je considère que tout ce qui enseigne le retour du Seigneur par l'incarnation est totalement faux, et nous ne devrions pas y croire. Sinon, on prend le risque de se faire avoir. J'aimerais échanger avec vous sur le sujet. Pourriez-vous nous éclairer J'aimerais vraiment savoir si j'ai raison. D'accord. Dès l'instant où Dieu Tout-Puissant a commencé à exprimer des vérités pour accomplir son œuvre de jugement des derniers jours, l'humanité est dès lors entrée dans l'ère du règne. C'est donc l'ère du règne qui a débuté. C'est pourquoi, si notre foi en Dieu reste bloquée à l'ère de la grâce et que nous ne sommes pas dans l'ère du règne, c'est que nous avons été laissés pour compte et rejeté par l'œuvre de Dieu. Lors des derniers jours, quand le Seigneur viendra dans le secret accomplir son œuvre de jugement qui commence par la maison de Dieu, il y aura inévitablement beaucoup de faux-Christes et d'imposteurs qui feront leur apparition au même moment dans le sillage de l'œuvre de Dieu et qui la perturberont. Par conséquent, lorsque de faux-Christes font leur apparition, ça veut dire que Dieu est déjà parmi nous, revenu en secret. Et si nous ne l'avons pas remarqué avant, c'est tout simplement parce que nous n'y avons pas prêté attention. Aujourd'hui, notre principale recherche devrait porter, et ce de façon particulièrement active, sur l'œuvre de Dieu des derniers jours. Mais concernant le retour du Seigneur, il y a toujours un certain nombre de personnes qui continuent de considérer que le plus important est de se protéger des faux Christ, plutôt que d'être attentifs à la façon de faire partie des vierges sages et d'écouter la parole de Dieu quant à la façon d'accueillir l'avènement du Seigneur. Au lieu de cela, ils s'accrochent à leurs propres opinions et à ce qu'ils imaginent, en pensant que tous les témoignages sur le retour du Seigneur Jésus de manière incarnée sont faux. Ne sont-ils pas précisément les vierges folles dont le Seigneur Jésus a parlé N'est-ce pas condamner le Seigneur Jésus de retour sur terre Le refuser D'ailleurs, on peut même se demander si ces personnes en question croient vraiment au retour du Seigneur Jésus. Cette attitude est une façon de nier l'avènement du Seigneur Jésus. Exactement. Pasteur Lee, bien que l'apparition de faux Christ soit une éventualité, nous ne pouvons pas rejeter l'intégralité des témoignages sur le retour du Seigneur Jésus. Sinon, ce serait comme jeûner par peur de s'étouffer en mangeant. La méthode que l'on emploie pour distinguer le vrai Christ des faux Christ est extrêmement révélatrice et montre si son utilisateur détient ou pas la vérité. C'est la meilleure façon de savoir s'il fait partie des Vierges sages ou si c'est une Vierge folle. Certaines personnes citent cet extrait de l'Évangile selon Matthieu et s'en servent pour juger et condamner le Christ incarné et nier l'arrivée du Christ venu accomplir l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours. Ces personnes font la démonstration de leur folie. Pour pouvoir distinguer aisément le vrai Christ parmi les faux Christ, il faut connaître l'essence du Christ pour être en mesure de le reconnaître. Tout le monde sait que le Seigneur Jésus est le Christ incarné et que le Christ est Dieu incarné. C'est-à-dire Dieu dans les cieux devenant chair en tant que Fils de l'homme pour œuvrer parmi les hommes. Nous savons que le Christ est l'incarnation de l'esprit de Dieu et qu'il possède une essence divine. La toute-puissance et la sagesse de Dieu, le tempérament de Dieu, ce que Dieu a et est, existe dans l'esprit de Dieu et tout cela a été matérialisé en Christ. Le Christ est la vérité, le chemin et la vie. Ainsi, nous pouvons être certains que le Christ n'est pas un dieu abstrait. Il n'est ni fictif ni éthéré. Le Christ est réel et concret. L'homme peut s'appuyer sur lui et lui faire confiance. Le Christ est le Dieu concret que l'on peut suivre, en qui on peut avoir totalement confiance et que l'on peut connaître. En fait, c'est exactement comme le Seigneur Jésus vivant ouvertement au milieu de l'humanité, œuvrant pour l'humanité, conduisant l'humanité, guidant l'humanité. Maintenant que nous connaissons l'essence du Christ, il devient tellement plus facile de reconnaître le vrai Christ au milieu des imposteurs. Penchons-nous sur un passage de la parole de Dieu Tout-Puissant. Veuillez aller à la page 3. Pasteur Kim, vous voulez bien lire cet extrait Avec joie. Ce n'est pas difficile d'étudier une telle chose. Mais cela exige que chacun d'entre nous connaisse cette vérité. Celui qui est l'incarnation de Dieu doit avoir l'essence de Dieu, et celui qui est l'incarnation de Dieu doit avoir l'expression de Dieu. Puisque Dieu se fait cher, il doit manifester l'œuvre qu'il doit faire, et puisque Dieu se fait cher, il doit exprimer ce qu'il est, et doit être capable d'apporter la vérité à l'homme, de donner la vie à l'homme et de montrer le chemin à l'homme. La chair qui ne contient pas l'essence de Dieu n'est sûrement pas le Dieu incarné. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Pour savoir si c'est la chair du Dieu incarné, l'homme doit le déterminer à partir du tempérament qu'il exprime ainsi que par ses paroles. Autrement dit, l'on devrait s'appuyer sur son essence pour savoir si oui ou non c'est la chair de Dieu incarnée, et si oui ou non c'est le vrai chemin, et ainsi. En déterminant si oui ou non c'est la chair de Dieu incarnée, l'important est de prêter attention à son essence, son œuvre, ses paroles, son tempérament, et beaucoup plus plutôt que sur l'apparence extérieure. Si l'homme ne voit que son aspect extérieur et oublie son essence, alors cela montre l'ignorance et la naïveté de l'homme. Nous allons nous arrêter ici. Lorsqu'il est venu dans l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a exprimé de très nombreuses vérités et il a exprimé un tempérament essentiellement empreint de miséricorde et de compassion. Le Seigneur Jésus a accompli l'œuvre de Dieu consistant en la rédemption de l'humanité tout entière. L'œuvre du Seigneur Jésus, ses paroles, les vérités qu'il a exprimées, ainsi que son tempérament, attestent intégralement que le Christ est la vérité, le chemin et la vie. Nul ne peut émettre le moindre doute. Au cours des derniers jours, Dieu Tout-Puissant est venu et il a dit ⁇ Je suis la vérité, le chemin et la vie ⁇ Dieu Tout-Puissant s'est exprimé en plusieurs millions de mots et il a ouvert le livre en exprimant un tempérament qui est avant tout juste en accomplissant son œuvre de jugement des derniers jours, l'œuvre de Dieu tout-puissant par laquelle il juge, châtie et sauve l'humanité corrompue, nous dit encore et toujours que le Christ est la vérité, le chemin et la vie. Longtemps le Seigneur Jésus a prophétisé qu'il reviendrait pour accomplir son œuvre de jugement des derniers jours, et qu'il ferait son retour dans la chair en tant que simple fils de l'homme, se fondre dans le monde de l'homme, vivant à l'image du fils de l'homme et s'adressant aux églises. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que l'œuvre de Dieu Tout-Puissant a accompli la prophétie du retour du Seigneur Jésus. Cela nous a permis de voir le vrai Christ incarné, qui peut venir exprimer des vérités, qui peut exprimer le tempérament de Dieu, qui peut réaliser l'œuvre de jugement de Dieu des derniers jours et qui peut conquérir, sauver et purifier l'homme, tout en mettant en œuvre la volonté de Dieu et en lui rendant témoignage. Cela confirme une fois encore que le Christ est la vérité, le chemin et la vie. Toutes les vérités qu'il exprime vont assurément conquérir en totalité toute l'humanité corrompue, et pourront conduire ceux qui croient vraiment en Dieu devant le trône de Dieu. Le Christ va assurément accomplir l'œuvre de Dieu des derniers jours. Nous pouvons en être sûrs et certains. Effectivement, oui. Les faux-Christes sont des esprits malins qui se font passer pour le Christ. Ce sont des imposteurs. La plupart des faux-Christes sont possédés par des esprits malins. Même lorsqu'ils ne sont pas possédés par des esprits malins, ce sont des démons extrêmement arrogants et déraisonnables. C'est pour cela qu'ils se font passer pour le Christ, se faire passer pour le Christ, c'est commettre le péché de blasphème envers le Saint-Esprit, et cela entraînera une malédiction, parce que l'essence des faux Christes est un esprit malin. Les faux christes ne détiennent aucune vérité et sont fondamentalement des démons. C'est pourquoi la totalité des propos tenus par les faux Christes ne sont que tromperies, mensonges et duplicité. Ils ne peuvent convaincre que des gens qui n'ont pas pris le temps de réfléchir rien de ce que disent ou font les faux christs ne peut résister à un examen minutieux et de plus ils n'oseraient pas publier leurs propos sur internet afin de permettre à tous de les examiner en profondeur c'est parce que les faux christs et les esprits malins appartiennent aux ténèbres et ne peuvent supporter la lumière du jour il n'y a guère que quelques esprits simples et ignorants devant lesquels ils accomplissent leurs signes et miracles rudimentaires dans les recoins sombres pour les écouter ainsi nous savons que tous ceux qui prétendent être le Christ, en ne s'appuyant que sur quelques signes et quelques miracles rudimentaires, servant à duper les gens, ne sont rien d'autre que des imposteurs. Je ne vous apprends rien en vous disant que toutes les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant, Christ des derniers jours, sont sur Internet au vu et au su de l'humanité. Tous ceux qui croient vraiment en Dieu et aiment la vérité, sont en quête et à la recherche du vrai chemin. Ils retournent les uns après les autres, se présenter face au trône de Dieu Tout-Puissant, pour accepter que par ses paroles, Dieu les juge, les purifie et les amène à la perfection. C'est un fait absolument indéniable. Les paroles et les actions accomplies par les faux Christ diffèrent en tout point de celles du Christ incarné. Il est très facile pour ceux qui comprennent la vérité de faire preuve de discernement. Cet échange a été particulièrement intéressant. Seul celui qui exprime des vérités et accomplit l'œuvre de jugement des derniers jours est Dieu incarné et la manifestation du Christ des derniers jours. Les faux Christ ne peuvent accomplir l'œuvre de Dieu parce qu'ils ne détiennent pas la vérité. Tous ceux qui se font passer pour le Christ et ne peuvent pas exprimer la vérité, alors qu'ils s'appuient sur des mensonges et des propos fallacieux dans le seul but de duper les gens sont de faux Christ. Cette méthode qui permet de distinguer les faux Christ du vrai est très précise. Tu as raison. C'est bien la clé qui permet de faire la distinction entre ceux qui prétendent être le Christ et le vrai. Donc, le moyen le plus évident de distinguer le vrai Christ des faux Christs est, est de garder à l'esprit que le Christ est le chemin, la vérité et la vie, et de toujours partir de ce principe. Souvenez-vous des paroles que le Seigneur Jésus a prononcées autrefois. Les brebis de Dieu écoutent la voix de Dieu. Par conséquent, les vierges sages peuvent entendre la voix de Dieu. Ainsi donc, les vierges sages pourront découvrir la vérité dans la voix de l'époux. Elles pourront découvrir le tempérament de Dieu dans la parole de Dieu et ce que Dieu a et est, et elles pourront voir les intentions de Dieu, ce qui leur permettra d'accepter l'œuvre de Dieu et de retourner devant son trône au royaume des cieux. Pourquoi les vierges folles ne peuvent-elles pas entendre la voix de l'époux Les vierges folles sont déraisonnables parce qu'elles sont incapables de percevoir la vérité. Elles sont incapables de reconnaître la voix de Dieu et ne savent rien faire d'autre que d'obéir aux règles. C'est pourquoi elles seront donc démasquées et éliminées par l'œuvre de Dieu des derniers jours. Donc le secret pour être une vierge sage est le suivant. Toute personne qui est en mesure de reconnaître la voix de Dieu dans les vérités exprimées par le Christ des derniers jours est une vierge sage et elle est capable d'accepter l'œuvre de Dieu et de suivre les pas de l'agneau. Tandis que les vierges folles se contenteront de se raccrocher aux règles et chercheront à se protéger des faux Christ, mais seront incapables de percevoir la voix de Dieu. Elles seront donc démasquées et rejetées par l'œuvre de Dieu des derniers jours. Il s'agit là véritablement des brebis de Dieu, entendant la voix de Dieu. Il y a par ailleurs un autre moyen de distinguer le vrai Christ des imposteurs qui prennent son apparence. Rappelez-vous que Dieu ne reproduit jamais son œuvre. C'est parce que Dieu est toujours nouveau et jamais vieux. Lisons un extrait des paroles de Dieu Tout-Puissant. Allez à la page 956. Si au cours des derniers jours un Dieu semblable à Jésus est apparu, celui qui a guéri les malades, chassé les démons et a été crucifié pour l'homme, ce Dieu, bien qu'identique à celui dont la description était faite dans la Bible et que l'homme a facilement accepté, ne serait pas, dans son essence, la chair portée par l'Esprit de Dieu, mais par un Esprit mauvais. Car c'est le principe de l'œuvre de Dieu de ne jamais répéter ce qu'il a déjà accompli. Et ainsi l'œuvre de la seconde incarnation de Dieu est différente de l'œuvre de la première. Si au cours des derniers jours, Dieu continuait à manifester des signes et des prodiges, à chasser les démons, à guérir, s'il faisait exactement la même chose que Jésus, alors Dieu serait en train de répéter la même œuvre et l'œuvre de Jésus n'aurait aucune signification ou valeur. Ainsi, Dieu réalise une étape de l'œuvre à chaque ère. Une fois que chaque étape de son œuvre est achevée, elle est immédiatement imitée par les mauvais esprits. Et après que Satan commence à suivre Dieu sur ses talons, Dieu opte pour une autre méthode. Une fois que Dieu a accompli une étape de son œuvre, elle est imitée par les mauvais esprits. Vous devez être conscient de ces réalités. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont très claires. Dieu ne reproduit pas son œuvre à l'identique, comme lorsque le Seigneur Jésus est venu accomplir son œuvre. Il n'a pas reproduit l'œuvre de l'ère de la loi. Il a au contraire accompli la phase suivante de son œuvre, consistant à racheter l'humanité sur la base de l'œuvre réalisée lors de l'ère de la loi, mettant un terme à l'ère de la loi et amorçant l'ère de la grâce. De par la venue de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, L'ère de la grâce se termine et ouvre une nouvelle ère qui est l'ère du règne. C'est sur les fondations de l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus qu'il a accompli la phase suivante de son œuvre de jugement et de purification de l'homme, en conférant à l'homme toutes les vérités nécessaires à son salut, en corrigeant le tempérament corrompu de l'homme, ainsi que sa nature profondément pécheresse, en soustrayant complètement l'homme à l'influence de Satan en sanctifiant l'homme et en lui permettant d'être pleinement gagné par Dieu. Alors l'œuvre de gestion de Dieu pour le salut de l'humanité sera entièrement achevée. Cela démontre encore une fois que l'œuvre de Dieu va toujours de l'avant, qu'elle s'élève plus haut et devient plus profonde à chacune de ses phases qu'il réalise. Aucune des phases de son œuvre n'est reproduite plusieurs fois. Alors que les faux Christ ne font qu'imiter de façon rudimentaire des signes et miracles accomplis par le Seigneur Jésus, et ce, dans le but de duper les gens. Aucun des signes et miracles majeurs accomplis par le Seigneur Jésus, comme lorsqu'Il a ressuscité les morts et nourri cinq mille personnes avec cinq pains et deux poissons, n'aurait pu être réalisé par des faux Christs et des esprits malins. De plus, jamais les vérités exprimées par Dieu ne pourraient être révélées ni imitées par des usurpateurs. Car les faux Christes sont des démons et des esprits malins par essence. Par définition, les faux Christes sont des menteurs. Ils ne détiennent pas la vérité et n'apportent que mensonges, duperie et confusion et trompent les pauvres gens. Je vous remercie pour ce bel échange très instructif. Vous avez attesté que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus et qu'il a prononcé de nombreuses paroles à son retour, mais en Corée du Sud. Plusieurs personnes qui prétendent être le Seigneur Jésus de retour ont prononcé des paroles, certaines ont même écrit de nombreux livres, et d'autres encore ont attiré des disciples. Ceux qui les suivent sont persuadés de ne pas commettre une erreur. Comment reconnaître les paroles des faux-christs Les paroles prononcées par Dieu tout-puissant sont toutes des vérités et font autorité, alors que dans celles des faux-christs, il n'y a pas la moindre vérité et ce ne sont que des mots creux et absurdes. Je ne comprends pas comment on peut les comparer aux paroles de Dieu Tout-Puissant. C'est très juste. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont toutes des vérités. Quiconque en fait la lecture sera totalement convaincu. Les faux-Christes sont des esprits malins par essence. Leurs bouches ne disent que mensonges et ils ne tiennent que des propos fallacieux. Mais ils n'osent pas les publier dans les journaux ou sur Internet. Ils n'osent pas s'exposer au grand jour. Ils craignent ceux qui les étudient et les examinent. Comment cela pourrait-il être la vérité Pasteur Lee, vous avez servi le Seigneur très longtemps. Vous devriez avoir le sens du discernement. Chaque parole prononcée par Dieu Tout-Puissant est la vérité. Chaque mot est vecteur de puissance et d'autorité. Chaque propos exalte des cœurs. Personne d'autre que le Christ incarné n'aurait pu prononcer des paroles d'une telle puissance. Pasteur Lee, vous prêchez et vous lisez la Bible depuis maintenant plusieurs décennies. Je suis persuadé que vous avez votre propre avis sur la question. Bien évidemment. Comment pourrais-je ne pas avoir d'avis sur le sujet Il est évident que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité. Là-dessus, nous sommes tous d'accord. Nous savons tous qu'il existe des faux-christes qui n'expliquent la Bible et les prophéties que pour duper les gens. Donc la question que je vous pose à tous aujourd'hui est comment peut-on identifier à coup sûr les faux-Christes C'est bien là une question cruciale et un sujet particulièrement délicat. Il faut savoir reconnaître les faux-Christes afin d'être en mesure d'accueillir le retour du Seigneur. Seuls ceux qui savent distinguer le vrai-Christ de toute la meute des imposteurs et qui auront accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours seront enlevés et présentés devant son trône. Et maintenant, nous savons que ceux qui sont incapables de distinguer le vrai Christ des usurpateurs sont des vierges folles. Ils finiront par être abandonnés. Et ils seront rejetés par Dieu. Nous avons le moyen de reconnaître les faux Christ. La clé réside dans la perception de leur essence. Les faux Christ sont possédés par des esprits malins. Donc ce sont des esprits malins par essence. Les faux Christ n'ont absolument aucun sens de la vérité. Leurs paroles ne sont qu'inepties. Ils ne disent que des mensonges et ne prononcent que des paroles fallacieuses, des paroles qui inversent le noir et le blanc. Ils savent que les gens sont fascinés par la Bible et par tous ceux qui l'ont suffisamment étudiée pour en avoir une grande connaissance. Donc ils tirent avantage de cet aspect psychologique pour mal interpréter la Bible et sortir les propos de leur contexte. Ainsi ils ont recours à toutes sortes de propos étranges et d'arguments absurdes afin de duper les gens. Leurs propos fallacieux résonnent comme une musique étrange et particulièrement novatrice, comme si leurs explications de la Bible étaient merveilleusement profondes et mystérieuses. Cela peut-il apporter la preuve que leurs paroles sont la vérité Et le mot vérité a-t-il été bien compris La vérité est ce que Dieu a et est. C'est la réalité de tout ce qui est positif et représente le tempérament juste et bon de Dieu. La vérité nous permet de connaître Dieu. La vérité peut éclairer notre chemin. C'est une lumière qui nous permet d'exister en ce monde. Elle permet de sauver les gens, de les purifier, de les changer et de les rendre parfaits. Les faux Christs expliquent la Bible en ayant recours à des propos étranges et à des arguments absurdes qui n'ont rien de commun avec la vérité. Leurs propos donnent-ils l'occasion aux gens de changer, de devenir meilleurs? Offre-t-il aux gens la perfection Leur donne-t-il l'occasion de faire la volonté de Dieu Cela permet-il aux gens de reconnaître Satan et de le mépriser Cela permet-il aux gens de se libérer de la sombre influence de Satan Si leurs paroles ne parviennent pas à atteindre le véritable objectif qui consiste à permettre aux gens de grandir, alors il faut les considérer comme des propos fallacieux, hérétiques et mensongers. Contrairement à ces usurpateurs, l'œuvre de Dieu est concrète. Dieu Tout-Puissant incarné des derniers jours est le Seigneur Jésus revenu pour exprimer toutes les vérités afin de sauver l'humanité. Ces vérités peuvent permettre à l'homme de connaître Dieu et de se libérer vraiment de l'influence de Satan afin d'accéder au salut. Ça lui permettra de devenir un individu qui obéit à sa volonté et qui vénère Dieu et d'être capable de vivre une vie comme un être humain authentique et vivre une vie utile et bénéfique. Voilà exactement en quoi consiste l'œuvre de Dieu. Si aujourd'hui, celui auquel les gens croient, celui en qui ils ont totalement confiance, est véritablement le Christ Dieu incarné, alors après avoir passé une dizaine d'années à croire en Dieu, ils vont naturellement comprendre de nombreuses vérités. Leur foi, leur amour et leur obéissance envers Dieu devraient progressivement se renforcer. Et leur tempérament de vie devrait aussi connaître quelques changements. Seuls ces effets sont en mesure de prouver que celui que l'homme vénère est véritablement le Christ et le seul Dieu véritable. Nombreux sont ceux qui ont cru en de faux Christ pendant huit ou dix ans sans qu'aucune vérité ne parvienne jusqu'à eux. Ils ne connaissent pas réellement le véritable Dieu et ce qui est pire encore, ces personnes n'ont ni foi, ni amour, ni obéissance envers Dieu. Croyez-vous vraiment que ces pauvres gens n'ont pas été trompés et dupés Les faux-christs et les esprits malins de toutes sortes ne détiennent pas la vérité et ne sont pas en mesure d'accomplir l'œuvre de Dieu. Les paroles de Dieu tout-puissant expriment son tempérament. Également, tout ce que Dieu a et est, ce sont des paroles de vérité. Elles ne peuvent être prononcées ou imitées par quelque faux-christ ou esprit malin que ce soit. Les faux Christs ne peuvent compter que sur leur capacité à sortir les choses de leur contexte et à mal interpréter la Bible afin de duper les gens, ou sur leur capacité à usurper le nom du Seigneur Jésus, pour prononcer des paroles de bénédiction destinées aux gens, ou pour leur faire des promesses qui ne seront d'aucun bénéfice pour les gens et leur entrée dans la vie. Et surtout, en aucun cas, ils ne permettent d'ouvrir de nouveaux chemins ni de créer une nouvelle ère. Aucune des œuvres accomplies par les faux Christs et les esprits malins n'est durable. Au bout de quelque temps, elles se désagrégeront comme de la poussière, puis se disperseront dans le vent et tomberont dans l'oubli, ça ne fait absolument aucun doute. Rien ne peut s'épanouir et perdurer s'il n'a pas été créé de la main de Dieu. La véritable œuvre du Christ permet d'aboutir au salut et d'aboutir à la perfection de l'homme, de mettre en pratique la volonté de Dieu, de mettre fin à une ère et d'en commencer une nouvelle. C'est une chose évidente et absolue. Parce que Dieu est omnipotent, les vérités exprimées par Dieu ne cesseront jamais d'exister. La terre et les cieux disparaîtront, mais les paroles de Dieu continueront d'exister pour l'éternité. C'est formidable. Merci beaucoup pour cet échange. Ce que vous nous avez appris au sujet des faux-Christes qui accomplissent des signes et des miracles pour duper les gens me permet d'avoir un meilleur sens du discernement sur le sujet. Mais il y a encore une question que j'aimerais poser. Certains faux-Christes vont jusqu'à affirmer que l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Ils se font passer pour le Seigneur Jésus de retour sur Terre et dupent certaines personnes. Je souhaiterais comprendre comment reconnaître une telle tromperie. Il y a une excellente méthode qui vous permettra de les démasquer. C'est très facile. Nous savons que le Christ est l'incarnation de Dieu. Il est l'Esprit de Dieu venu sur Terre comme le Fils de l'homme. Ce n'est pas comme si l'Esprit de Dieu avait pris possession de son enveloppe a posteriori. Le Christ est né sous cette forme. Il a été Christ depuis le jour de sa naissance. Il est né Christ et le restera pour l'éternité. Si quelqu'un qui se prétend Christ n'est pas venu au monde ainsi, il ne le sera jamais. De la même manière que le Seigneur Jésus a été Christ depuis le jour de sa naissance et non après que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Lorsque le Seigneur Jésus a été baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il s'agit là du témoignage du Saint-Esprit. Ceci pour que tout le monde comprenne que le Seigneur Jésus est bien Dieu, qui s'est lui-même incarné dans la chair. À partir de ce moment, le Seigneur Jésus a officiellement commencé à accomplir son ministère pour l'ère de la grâce. Dans les derniers jours, Dieu s'incarne dans la chair en tant que Dieu Tout-Puissant, exprime de nombreuses vérités pour témoigner qu'il est le Christ, la seconde incarnation de Dieu. L'essence du Christ est la vérité, le chemin et la vie. Par conséquent, lorsque le Christ viendra accomplir son œuvre, il exprimera assurément des vérités. Alors que ces faux Christ, qui ont la prétention de dire que l'esprit de Dieu est descendu sur eux ne pourront en aucun cas exprimer la moindre vérité rien que cela démontre que ce sont des esprits malins qui se font passer pour le Christ afin de duper les gens et donc tous ceux qui prétendent que l'esprit de Dieu est descendu sur eux ne sont en réalité que des faux christ en fait ils ont été possédés par des esprits malins c'est un fait établi ainsi que Dieu Tout-Puissant le dit, et je vous propose de lire ces paroles. Ouvrez vos livres à la page 543. Certains sont possédés par des esprits mauvais, écrits constamment ⁇ Je suis Dieu ⁇ Pourtant, à la fin, ils ne peuvent pas rester debout, car ils agissent au nom du mauvais être. Ils représentent Satan, et le Saint-Esprit ne leur prête aucune attention. Que tu t'exaltes à l'extrême ou que tu cries à tu-tête, tu es toujours un être créé et tu appartiens à Satan. Tu ne peux pas créer de nouvelles voies ou représenter l'esprit. Tu ne peux pas exprimer le travail de l'esprit ou les paroles qu'il dit. Tu ne peux pas faire le travail de Dieu lui-même ou celui de l'esprit. Tu ne peux pas exprimer la sagesse la splendeur et l'impénétrabilité de Dieu ou tout le tempérament par lequel Dieu châtie l'homme. Ainsi, que tu répètes que tu es Dieu n'a pas d'importance. Tu as seulement le nom et tu n'as rien de la substance. Dieu lui-même est venu, mais personne ne le reconnaît. Tout de même, il continue son travail. Et il le fait en représentant l'Esprit. Il est la chair incarnée de l'Esprit de Dieu. Il représente l'Esprit et l'Esprit l'approuve. Tu ne peux pas ouvrir une voie pour une nouvelle ère. Tu ne peux pas mener l'ère ancienne à sa fin et tu ne peux pas inaugurer une nouvelle ère ou faire un nouveau travail. Alors tu ne peux pas être appelé Dieu. Le Christ est l'Esprit de Dieu. Il s'est matérialisé dans la chair. Il est Christ depuis sa naissance. Ce n'était pas un simple croyant qui est devenu Christ au milieu de son existence. Parce que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. C'est une chose très claire. J'ai beaucoup appris durant cet échange. Merci à vous. On ne peut pas être le Christ simplement en le décrétant un jour. Si on n'est pas capable d'exprimer toutes les vérités pour juger et sauver l'humanité, si on est incapable d'accomplir l'œuvre de jugement de Dieu des derniers jours, ou d'ouvrir une nouvelle ère et de mettre fin à une ère ancienne, on a beau crier haut et fort qu'on est le Christ on n'en reste pas moins un imposteur. Le Christ incarné des derniers jours, Dieu Tout-Puissant, exprime toutes les vérités pour juger l'homme et le purifier. Il accomplit l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu. Il met fin à l'ère de la grâce et ouvre l'ère du règne. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont toute l'expression du tempérament de Dieu et de ce que Dieu a et est. Elles sont la réalité de la vie que l'humanité tout entière doit posséder. Elles permettent de résoudre tous les problèmes de résistance et de trahison envers Dieu de la part d'hommes corrompus. Pour mieux comprendre ce qu'est l'œuvre de Dieu, ainsi que son tempérament et son essence, ces paroles sont très précieuses et d'une importance extrême. Dieu Tout-Puissant a révélé tous les mystères du plan de gestion de Dieu qui s'étend sur six mille ans, ainsi que toute l'histoire intérieure et l'essence de l'œuvre en trois étapes accomplies par Dieu. Il a également montré la façon dont Satan corrompt l'humanité et dont Dieu sauve petit à petit l'humanité. Il a aussi montré la nécessité et l'importance du sens que revêt l'œuvre de jugement de Dieu des derniers jours, la façon dont l'humanité peut corriger sa nature pécheresse et se libérer de l'influence de Satan pour accéder au salut. Il a montré comment l'humanité peut mettre en œuvre la volonté du Père céleste. Il a aussi montré à quel genre de personnes Dieu accorde son salut et quel genre de personnes il rejette. Grâce à Dieu tout-puissant, nous savons quel genre de personnes peuvent être admises au royaume des cieux, oh. comment distinguer le bien du mal, comment Dieu détermine le sort réservé à chaque type de personne et tout ce qui concerne sa propre fin. Toutes ces vérités et tous ces mystères qui ont trait au salut de l'homme et à sa perfection ont été révélés à l'humanité par Dieu tout-puissant et ceci accomplit la prophétie du Seigneur Jésus et j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les porter maintenant quand le consolateur sera venu l'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir L'œuvre de Dieu tout-puissant est l'œuvre de l'ère du règne. C'est l'œuvre qui met fin à cet ancien monde malfaisant plongé dans les ténèbres. Dieu tout-puissant a accompli son œuvre et a exprimé des vérités. Celles-ci apportent la preuve irréfutable que Dieu tout-puissant est le Christ des derniers jours, le retour du Seigneur Jésus. Exactement. Le Christ peut ouvrir une nouvelle ère et clore une ère ancienne. Exprimer des vérités et accomplir l'œuvre du jugement de Dieu des derniers jours. Tandis que les faux-christes sont des esprits malins par essence. Ils ne détiennent pas la vérité et sont assurément incapables d'exprimer des vérités ni d'accomplir l'œuvre de Dieu. Ils sont incapables d'ouvrir de nouveaux chemins ou de nouvelles aires. Ils se contentent de mentir, de tromper les gens, de mal interpréter la Bible et de la sortir de son contexte. Cela montre que ce que font les faux-christes, c'est accomplir l'œuvre de Satan. Visant à corrompre l'humanité. C'est très juste. Les démons ne font que mentir depuis le début. En Corée du Sud, on entend souvent des faux christs évoquer de fausses prophéties et porter de faux témoignages en indiquant qu'ils connaissent le jour où Dieu arrivera. Ce ne sont que mensonges et paroles creuses. Pas une de ces fausses prophéties ne s'est réalisée. Mais l'œuvre de ces faux christs et de tous ces esprits malins ne durera pas très longtemps. Après quelque temps, ils seront évidemment Démasqué et rejeté par les gens. C'est déjà arrivé à de nombreuses reprises. C'est évident. Et grâce à cet échange avec vous deux, nous saurons maintenant comment distinguer le vrai Christ des faux Christ. C'est vraiment d'une grande aide dans notre quête de la bonne voie. Aujourd'hui, dans le monde entier, seul Dieu Tout-Puissant a exprimé les vérités permettant de sauver l'humanité et accomplit son œuvre de jugement des derniers jours. Le livre exprimé par Dieu Tout-Puissant, La parole apparaît dans la chair, a été mis en ligne sur Internet afin d'être confronté au monde et soumis à l'examen de l'humanité tout entière. Il s'agit de l'évangile de la descente du royaume des cieux. Se pourrait-il que Dieu Tout-Puissant soit bien le retour du Fils de l'homme prophétisé dans la Bible Se pourrait-il qu'il soit le Christ des derniers jours Aujourd'hui dans le monde entier, Seul Dieu tout-puissant accomplit l'œuvre de jugement des derniers jours. Les paroles de vérité qu'il a exprimées ont été publiées dans les journaux et sur Internet, afin que l'humanité tout entière puisse les étudier et les examiner. À la lumière de celles-ci, il semblerait que Dieu tout-puissant soit bien l'apparition du Christ des derniers jours, celui que nous attendons depuis de nombreuses années. En effet, oui, oui, c'est exact. aussi ce que je crois. Seigneur, nous nous languissons de ton apparition. Amen. Nous recherchons ta voix et ton œuvre. Amen. Puisses-tu nous éclairer et nous guider? Amen. Seigneur, tu sais ce qui nous fait défaut. Nous aurions besoin de ton esprit pour nous guider. Amen. Afin que nous entendions ta voix, que nous voyions ton apparition. Et que nous obéissions à ton œuvre. Amen. Nous ne voulons pas être rejetés. Amen. S'il te plaît. Seigneur, ne nous abandonne pas. Nous voulons être des vierges sages. Nous voulons entendre ta voix. Nous soumettre à ta volonté. T'accepter et t'honorer, afin que tu nous permettes d'assister aux noces à tes côtés. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bien que beaucoup de gens croient en Dieu, peu comprennent ce que signifie avoir foi en Dieu et ce qu'ils doivent faire pour être selon le cœur de Dieu. En effet, bien que les gens soient familiers avec le mot Dieu et des expressions telles que l'œuvre de Dieu, ils ne connaissent pas Dieu, encore moins son œuvre. Pas étonnant donc que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu est une croyance confuse. Les gens ne prennent pas la croyance en Dieu au sérieux, parce que croire en Dieu est trop inconnu, trop étrange pour eux. La croyance en Dieu signifie croire qu'il y a un Dieu. C'est le plus simple concept de la foi en Dieu. De plus, croire qu'il y a un Dieu n'est pas la même chose que croire véritablement en Dieu. Au contraire, c'est une sorte de foi simple avec de fortes connotations religieuses. La vraie foi en Dieu signifie faire l'expérience de la parole et de l'œuvre de Dieu sur la base d'une croyance que Dieu est souverain sur toutes choses. Ainsi, tu seras libéré de ton tempérament corrompu, satisfera le désir de Dieu et connaîtra Dieu. Ce n'est qu'au long d'un tel parcours que l'on peut dire que tu crois en Dieu. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont toujours très concrètes. En quelques mots seulement, il donne une explication limpide à la vérité de la croyance en Dieu. J'ai foi dans le Seigneur depuis tant d'années, mais je ne savais pas ce qu'était croire en Dieu. J'étais persuadé que prier et étudier la Bible, s'en remettre à la Bible, et porter la croix et en suivant le Seigneur faisait de moi le meilleur des croyants. Et aujourd'hui, je comprends que croire implique aussi de connaître l'œuvre et les paroles de Dieu, de connaître son essence. Ainsi, nous pourrons avoir accès à la vérité et à la connaissance de Dieu. Les paroles de Dieu Tout-Puissant ont vraiment éclairé mon esprit. Tu as parfaitement raison. Les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant peuvent résoudre les problèmes concrets que rencontrent ceux qui croient en Dieu. Elles peuvent aussi corriger les écarts dans leur foi en Dieu et leur montrer la voie en leur indiquant le chemin qu'il faut suivre. Elles leur donnent un éclairage. Et leur permettent de comprendre la vérité. Ces paroles sont précieuses pour nous qui croyons en Dieu. Mmh. Lis ce passage, s'il te plaît. Dieu accomplit toujours son œuvre et il conduit toujours toute l'humanité vers l'avant. Quand Jésus vint parmi les hommes, il inaugura l'ère de la grâce et acheva l'ère de la loi. Pendant les derniers jours, Dieu devient cher une fois de plus, et quand il devient cher cette fois, il acheva l'ère de la grâce et inaugura l'ère du règne. Tous ceux qui acceptent la seconde incarnation de Dieu seront conduits dans l'ère du règne, et pourront accepter personnellement la direction de Dieu. Bien que Jésus ait abattu une œuvre immense parmi les hommes, il n'a fait que parachever la rédemption de toute l'humanité et est devenu le sacrifice d'expiation de l'homme. Et il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Pour sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan, il n'a pas suffi que Jésus se livre en sacrifice d'expiation pour les péchés des hommes. Mais il a fallu également que Dieu s'emploie davantage à débarrasser l'homme totalement de son tempérament qui avait été corrompu par Satan. Et donc, après que l'homme a reçu le pardon de ses péchés, Dieu est redevenu cher pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement. Et cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure et recevront de bien meilleures bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie. Quand Dieu devient cher cette fois, son œuvre consiste à exprimer son tempérament, principalement à travers le châtiment et le jugement. En utilisant cela comme fondement, il édifie l'homme avec plus de vérité, révèle plus de méthodes pratiques et réalise ainsi son objectif de conquérir l'homme et de le sauver de son tempérament corrompu. C'est ce qui sous-tend l'œuvre de Dieu à l'ère du règne. Hmm. J'ai lu deux autres passages de la parole de Dieu, laisse-moi te les lire. Hmm. Grâce à ce travail de jugement et de châtiment, les hommes prendront pleinement conscience de la saleté et de la corruption de leur essence, et ils pourront être complètement transformés et purifiés. L'homme peut être digne de retourner devant le trône de Dieu seulement de cette manière. Tout le travail effectué aujourd'hui vise la purification et la transformation des hommes. Grâce au jugement et au châtiment, par la parole ainsi que grâce au raffinement, l'homme peut rejeter sa corruption et être purifié. Plutôt que de considérer cette étape de travail comme un travail de salut, il serait plus approprié de dire que c'est un travail de purification. En vérité, cette étape est celle de la conquête, ainsi que la deuxième étape du salut. L'homme est acquis par Dieu grâce au jugement et au châtiment par la parole. Par l'utilisation de la parole, pour raffiner, juger et dévoiler, toutes les impuretés, les notions, les motifs et les espoirs individuels dans le cœur de l'homme sont complètement révélés. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Dieu Tout-Puissant explique l'œuvre de l'ère de la grâce et de l'ère du règne avec une telle clarté. Lors de l'ère de la grâce, Dieu s'est limité à accomplir une œuvre rédemptrice et ne s'est pas attelé à modifier le tempérament de l'homme, alors qu'au cours de l'ère du règne, Dieu accomplit l'œuvre visant à changer la nature de l'homme. Il n'est pas étonnant que nous soyons fréquemment dans le péché et que nous ne parvenions pas à nous libérer de notre asservissement au péché. Nous savons désormais pourquoi il en est ainsi. La lecture des paroles de Dieu Tout-Puissant m'a vraiment éclairé et m'a donné un chemin à suivre. Tu as raison. Dieu Tout-Puissant explique l'œuvre de l'ère de la grâce et celle de l'ère du règne. C'est évident. Si nous ne lisons pas les paroles de Dieu Tout-Puissant, je crains que nous ne restions dans l'interrogation et que nous ne puissions jamais comprendre ces vérités. Mmh. Apparemment, il s'agit bien de l'œuvre de Dieu. Nous devons lire les paroles de Dieu Tout-Puissant et rechercher ce chemin. D'accord. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité et la voix de Dieu. C'est indéniable. Mais les paroles prononcées par d'illustres éminences religieuses à travers les siècles sont aussi très édifiantes pour les gens et leur semblent conformes à la vérité. Alors, quelle différence y a-t-il entre leurs paroles et celles de Dieu incarné Si nous voulons nous assurer que Dieu Tout-Puissant est bien le retour du Seigneur Jésus, c'est une question à laquelle il nous faudra répondre. Écoutez, j'y ai réfléchi et je ne pense pas qu'il soit urgent de répondre à ces questions. Si nous prions suffisamment le Seigneur et que nous étudions la Bible, il finira par nous éclairer un jour. Le Seigneur Jésus nous encourage à enquêter. Il a dit, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. C'est pourquoi je pense que nous devrions nous rendre à l'Église de Dieu Tout-Puissant pour nous renseigner. Nous pourrions participer à une réunion afin de trouver des réponses aux questions que nous nous posons. Vous êtes sûr Vous voulez aller à l'Église de Dieu Tout-Puissant Exactement, et ma femme le voudrait aussi. Ils ont sûrement beaucoup de choses à nous apprendre. Ils organisent une session hebdomadaire. Pour tous ceux qui cherchent le vrai chemin. Ça ne peut que nous être bénéfique. Excellente idée, je suis d'accord. Parfait. Nous y allons, c'est décidé. Pasteur Lee, vous venez aussi? Bonjour à tous. Bonjour. Tout d'abord, nous sommes ravis que vous ayez pu lire les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant et que vous soyez venus à l'église de Dieu Tout-Puissant pour examiner l'œuvre de Dieu des derniers jours. Bienvenue à vous, c'est un plaisir de vous accueillir. Applaudissons-nous en remerciement de notre félicité. Pour étudier l'œuvre de Dieu des derniers jours, il nous faut d'abord lire davantage les paroles de Dieu tout-puissant afin de savoir si ce que Dieu tout-puissant a exprimé sont bien les paroles et l'œuvre de Dieu. S'il s'agit bien du jugement de Dieu et de sa révélation, des vérités qui permettent de purifier l'homme et de le sauver. Si ce qui est révélé est bien le tempérament de Dieu et ce que Dieu a et est et si cela révèle tous les mystères de l'œuvre de Dieu. À partir de ces éléments, nous parviendrons à déterminer si toutes les paroles exprimées par Dieu tout-puissant sont les paroles du Saint-Esprit et s'il s'agit de la voix de Dieu. De plus, il nous faut aussi garder à l'esprit que même si Dieu incarné à l'apparence d'un fils de l'homme ordinaire, il a une essence divine et il peut exprimer de nombreuses vérités pour purifier l'homme et le sauver. Il est capable d'exprimer les paroles de Dieu et de prendre la voix de Dieu. Voilà des mystères qui ne sont pas faciles à appréhender et des vérités qu'il nous faudra comprendre lorsque nous rechercherons le vrai chemin. Quand on recherche le vrai chemin, il est impossible de trouver des réponses après n'avoir posé que de simples questions ou bien de n'avoir assisté qu'à une ou deux réunions comme celle-ci. Cela s'explique par le fait que l'œuvre de jugement de Dieu des derniers jours est une œuvre qui clôt une ère. Et c'est aussi la dernière étape de l'œuvre achevant le plan de gestion de Dieu. Dieu Tout-Puissant a exprimé la vérité à travers des millions de paroles. Elles correspondent en tout point à l'œuvre de jugement de Dieu des derniers jours. Exact. S'il n'y avait eu que quelques extraits de la parole de Dieu ou de Sa révélation, ils n'auraient pas été dignes d'être assimilés à l'œuvre de Dieu, et on n'aurait pu les attribuer qu'à un prophète transmettant la parole de Dieu. En conséquence de quoi, quiconque étudie l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours doit rechercher les différents aspects des vérités essentielles pour obtenir des résultats. Si vous avez des questions au sujet de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours, ou si certaines questions ne sont pas claires, n'hésitez pas à demander. Vous pouvez maintenant poser toutes les questions que vous souhaitez. S'il vous plaît, moi j'en ai une. Nous avons passé beaucoup de temps à étudier l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Et vous avez attesté que Dieu Tout-Puissant est Dieu incarné accomplissant l'œuvre de jugement de Dieu des derniers jours. Il est très compliqué pour l'humanité de reconnaître Dieu incarné. En Corée du Sud, nombreux sont ceux qui confondent le travail de l'homme avec l'œuvre de Dieu. Ils prennent les paroles trompeuses des faux Christ pour l'œuvre de Dieu, donc les acceptent et les suivent. Sans voir qu'ils se trompent et suivent Satan. Alors. Comment faire pour distinguer l'œuvre de Dieu du travail de l'homme J'aimerais aussi savoir ce qui différencie l'œuvre de Dieu incarné du travail des hommes à son service. Il est absolument crucial pour nous de comprendre cet aspect de la vérité. C'est une question que je me pose aussi. L'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus était l'œuvre de Dieu, mais Dieu a également inspiré l'œuvre accomplie par les apôtres. Si Dieu en était à l'origine, tout cela est donc l'œuvre de Dieu Je ne comprends pas en quoi c'est différent. Je suis d'accord. Le travail des hommes employés par Dieu a bien été guidé par le Saint-Esprit. Donc ils accomplissent l'œuvre de Dieu. Seul le travail de celui qui n'est pas guidé par le Saint-Esprit est le travail de l'homme. Pardon, mais ce que vous dites est faux. Comment l'œuvre de Dieu pourrait-elle être assimilée au travail de l'homme Le Seigneur Jésus a été crucifié pour sauver l'humanité. Croyez-vous vraiment que l'homme aurait pu accomplir ça Non. Entre l'œuvre de Dieu incarné et le travail des hommes à son service. Il y a beaucoup de différences. Notre appréhension de la vérité est superficielle. Nous ne savons l'interpréter correctement. Invitons les frères et les sœurs de l'Église de Dieu Tout-Puissant à nous apporter leur éclairage. Déjà, il y a clairement des différences entre l'œuvre de Dieu et le travail de l'homme employé par lui. Un examen minutieux nous permettra de les remarquer. Si nous nous penchons sur les déclarations et sur l'œuvre du Seigneur Jésus, puis sur les déclarations et sur le travail des apôtres, nous constatons que les différences sont évidentes. Chaque parole prononcée par le Seigneur Jésus est la vérité, elle est empreinte d'autorité et révèle de nombreux mystères. L'homme ne sera jamais capable d'accomplir tout cela. Voilà pourquoi tant de gens dans le monde suivent le Seigneur Jésus. En comparaison, le travail des apôtres se limite à diffuser l'Évangile, à témoigner de Dieu et à remplir les églises. Les effets sont extrêmement limités. La différence entre l'œuvre de Dieu et le travail de l'homme est tellement évidente qu'il n'est pas possible de les confondre. A votre avis, pourquoi les gens ne le voient pas C'est parce que l'humanité corrompue ne connaît pas Dieu et qu'elle ne détient aucune vérité. Il en résulte que l'homme ne sait pas distinguer l'œuvre de Dieu du travail de l'homme. Il est enclin à confondre l'œuvre de Dieu incarnée avec le travail de l'homme. Il prend le travail de l'homme qu'il admire, le travail des esprits malins des faux-christs et des faux prophètes pour l'œuvre de Dieu qu'il faut accepter et suivre. C'est là s'écarter du vrai chemin et résister à Dieu, et c'est considérer comme adorer l'homme et suivre et vénérer Satan. Il s'agit là d'un grave affront au tempérament de Dieu. Celui qui agit de la sorte sera maudit par Dieu. Ceux-là n'auront pas la possibilité d'être sauvés. Voilà pourquoi la question que vous avez posée est importante pour ceux qui recherchent le vrai chemin et veulent connaître l'œuvre de Dieu des derniers jours. En apparence, l'œuvre de Dieu incarnée et le travail des hommes employés par Dieu semblent tous deux se manifester dans le travail et la parole de l'homme. Mais leur essence et la nature de ce qu'ils accomplissent n'ont absolument rien en commun. Aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant est arrivé et a révélé toutes les vérités et mystères. Il a également révélé les différences entre l'œuvre de Dieu et le travail de l'homme. Ce n'est qu'aujourd'hui que nous parvenons à connaître l'œuvre de Dieu et à faire la différence avec le travail de l'homme. Penchons-nous sur les paroles de Dieu Tout-Puissant. Ouvrez à la page 874. Je vais vous lire quelques passages. L'œuvre de Dieu lui-même implique l'œuvre de toute l'humanité et elle représente aussi l'œuvre de toute l'époque. Autrement dit, la propre œuvre de Dieu représente le mouvement et la tendance de l'ensemble de l'œuvre du Saint-Esprit, alors que l'œuvre des apôtres suit la propre œuvre de Dieu et ne dirige pas l'époque, ni ne représente la tendance de l'œuvre du Saint-Esprit durant toute l'époque. Ils ne font que l'œuvre que l'homme devrait faire, ce qui ne concerne pas du tout l'œuvre de gestion. La propre œuvre de Dieu est une partie de l'œuvre de gestion. L'œuvre de l'homme est seulement le devoir des hommes qui sont utilisés et n'a aucun rapport avec l'œuvre de gestion. L'œuvre de Dieu incarnée commence une nouvelle ère et ceux qui continuent son œuvre sont les hommes qui l'utilisent. L'œuvre accomplie par l'homme est incluse dans le ministère de Dieu dans la chair et ne peut pas dépasser ce cadre. Si Dieu incarné ne vient pas faire son œuvre, l'homme ne peut pas mener l'ancienne ère à sa fin et ne peut pas inaugurer une nouvelle ère. Le travail accompli par l'homme reste dans le champ de son devoir qui est humainement possible et ne représente pas L'œuvre de Dieu. Seul le Dieu incarné peut venir effectuer le travail qu'il doit faire, et en dehors de lui personne ne peut faire ce travail en son nom. Bien sûr, ce dont je parle concerne le travail de l'incarnation. Celui qui est l'incarnation de Dieu doit avoir l'essence de Dieu, et celui qui est l'incarnation de Dieu doit avoir l'expression de Dieu, puisque Dieu se fait chair. Il doit manifester l'œuvre qu'il doit faire et puisque Dieu se fait chair, il doit exprimer ce qu'il est et doit être capable d'apporter la vérité à l'homme, de donner la vie à l'homme et de montrer le chemin à l'homme. La chair qui ne contient pas l'essence de Dieu n'est sûrement pas le Dieu incarné. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Les paroles de Dieu incarné inaugurent une nouvelle ère, guident l'humanité tout entière, révèlent des mystères et montrent à l'homme la voie à suivre vers une nouvelle ère. L'inspiration reçue par l'homme n'est que simple pratique ou connaissance. Elle ne peut pas conduire l'humanité tout entière dans une nouvelle ère ou révéler le mystère de Dieu lui-même. Après tout, Dieu est Dieu et l'homme est l'homme. Dieu a l'essence de Dieu et l'homme a l'essence de l'homme. Le Dieu incarné est substantiellement différent des personnes utilisées par Dieu. Le Dieu incarné peut faire l'œuvre de la divinité, mais les gens utilisés par Dieu ne le peuvent pas. Au début de chaque ère, L'Esprit de Dieu parle en personne pour inaugurer la nouvelle ère et amener l'homme à un nouveau commencement. Quand il termine de délivrer ses messages, cela signifie alors que l'œuvre de Dieu dans la divinité est accomplie. Par la suite, les gens sont guidés par les hommes utilisés par Dieu. Les hommes entreront dans l'expérience de la vie. Permettez-moi de prendre la suite. Ce que Dieu exprime est ce que Dieu lui-même est, et cela est hors de la portée de l'homme, c'est-à-dire au-delà de la portée de la pensée de l'homme. Il exprime son œuvre de direction de toute l'humanité, et cela n'est pas pertinent pour les détails de l'expérience humaine, mais concerne plutôt sa propre gestion. L'homme exprime son expérience, alors que Dieu exprime son être. Cet être est son tempérament essentiel et est inaccessible à l'homme. L'expérience de l'homme se compose de sa vue et de ses connaissances de Dieu acquises quand Dieu exprime son être. Une telle vue et de telles connaissances sont appelées l'être de l'homme. Elles sont exprimées sur la base du tempérament inhérent de l'homme et de sa qualité réelle. Par conséquent, elles sont aussi appelées l'être de l'homme. Les paroles prononcées par la chair incarnée de Dieu sont l'expression directe de l'esprit et expriment l'œuvre qui a été faite par l'esprit. La chair ne l'a pas connue ou vue, mais exprime quand même son être parce que l'essence de la chair est l'esprit et il exprime l'œuvre de l'esprit. S'il revenait à l'homme de faire ce travail, alors... Ce travail serait trop limité, il pourrait emmener l'homme jusqu'à un certain niveau, mais il ne serait pas en mesure de le conduire jusqu'à la destination éternelle. L'homme ne peut pas décider du destin de l'homme, et en plus, l'homme n'est pas en mesure de garantir les perspectives et la destination future à l'homme. Cependant, le travail accompli par Dieu est différent. Étant donné qu'il a créé l'homme, il le conduit. Étant donné qu'il sauve l'homme, il va bien le sauver et va complètement le racheter. Étant donné qu'il conduit l'homme, il l'emmènera à la bonne destination. Et étant donné qu'il a créé l'homme et qu'il le gère, il doit assumer la responsabilité de son destin et de ses perspectives. C'est ça qui est le travail accompli par le Créateur. Hmm. Les paroles de Dieu Tout-Puissant permettent de bien distinguer ce qui appartient à l'œuvre de Dieu et ce qui appartient seulement au travail de l'homme. L'essence de Dieu incarné et l'essence des hommes qu'il emploie sont de nature différente. Il est donc tout à fait logique que ce qu'ils accomplissent soit différent. Dieu incarné ressemble en apparence à un homme ordinaire, tout ce qu'il y a de plus normal. Seulement, c'est l'esprit de Dieu matérialisé dans la chair. Il a en lui une essence divine et l'autorité de Dieu. Il a son omnipotence, sa sagesse et sa puissance. Dieu incarné peut directement exprimer des vérités dans son œuvre. Il peut exprimer le juste tempérament de Dieu et tout ce qu'il a et est. Il peut ouvrir une nouvelle ère et enclore une ancienne. Et il peut révéler tous les mystères du plan de gestion de Dieu. Dieu Tout-Puissant peut aussi exprimer les exigences et les intentions de Dieu envers l'homme. Toutes les paroles exprimées par Dieu incarné sont la vérité. Elles peuvent être la vie de l'homme et changer le tempérament de vie de l'homme. L'œuvre de Dieu peut conquérir et purifier l'homme. Elle peut sauver l'homme et le libérer définitivement de l'influence de Satan. Elle peut conduire l'humanité vers une merveilleuse destination. Aucun individu ne pourrait produire les effets d'une telle œuvre. L'œuvre de Dieu incarné est l'œuvre de Dieu lui-même, et personne d'autre ne peut l'accomplir. En outre, les hommes au service de Dieu sont humains par essence. Ils n'ont que leur humanité et ne possèdent pas l'essence divine du Christ, ce qui veut dire qu'en aucun cas, ils ne peuvent exprimer des vérités, ni exprimer le tempérament de Dieu, pas plus que tout ce qu'il a et est. Ils peuvent uniquement transmettre leur propre connaissance des paroles de Dieu en se basant sur les déclarations et l'œuvre de Dieu, ou faire part de leurs propres expériences et témoignages. Cette connaissance et ces témoignages ne sont que le reflet de leur propre compréhension, et de leurs propres opinions sur les paroles de Dieu. Quelle que soit leur connaissance ou la précision de leurs paroles, ce qu'ils disent ne peut en aucun cas être considéré comme la vérité, et encore moins comme la parole de Dieu. Ainsi donc, cela ne peut pas être la vie de l'homme, cela ne peut être qu'une aide, une réserve, un soutien et une édification pour l'homme. Cela ne peut pas aboutir à la purification de l'homme, ni à son salut, et encore moins à sa perfection. Par conséquent, l'homme employé par Dieu ne peut pas accomplir l'œuvre de Dieu lui-même, il peut uniquement lui obéir pour remplir le devoir qui lui a été confié. Nous pouvons donner un exemple concret de la différence qui existe entre l'œuvre de Dieu et le travail de l'homme, pour que ce soit bien clair et qu'il n'y ait plus matière à confusion. Dans l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus a enseigné la voie de la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il a révélé ainsi les mystères du royaume des cieux et s'est sacrifié pour laver les péchés de l'humanité, accomplissant l'œuvre de rédemption de l'humanité. Il a conduit l'homme à se confesser et à se repentir, et il a pardonné les péchés de l'homme, les a absous de la condamnation et de la malédiction de la loi, pour qu'ils puissent être jugés dignes de venir devant Dieu, prier et communier avec Dieu, et jouir de la grâce abondante de Dieu et de ses vérités, ainsi que pour leur permettre de voir le tempérament de Dieu riche en compassion et en miséricorde. L'œuvre du Seigneur Jésus a ouvert l'ère de la grâce et clos l'ère de la loi. C'est la partie de l'œuvre de Dieu qui correspond à l'ère de la grâce. Lorsque le Seigneur Jésus a achevé son œuvre, ses apôtres ont guidé les élus de Dieu pour qu'ils puissent ressentir les paroles du Seigneur Jésus et qu'ils les mettent en pratique sur la base de ce qu'il avait dit et fait. En diffusant des témoignages de son salut et en diffusant son évangile de rédemption pour l'humanité sur la terre entière. C'est le travail des apôtres dans l'ère de la grâce et également celui des hommes qui ont été employés par Dieu. Cela nous permet de voir qu'il y a une différence de nature entre l'œuvre du Seigneur Jésus et le travail des apôtres. Dieu Tout-Puissant, incarné dans les derniers jours, a exprimé toutes les vérités pour purifier et sauver l'humanité en révélant tous les mystères du plan de gestion de Dieu qui se déroule sur 6000 ans, en accomplissant l'œuvre de jugement qui commence par la maison de Dieu, et en sauvant complètement l'humanité de la corruption et de l'influence de Satan, en permettant à l'homme de voir sa justice, sa majesté, son courroux et son tempérament qui ne peut pas être offensé par l'homme. Dieu Tout-Puissant permet que l'humanité se libère des entraves du péché, atteigne la sainteté et soit gagnée par Dieu. L'œuvre de Dieu Tout-Puissant a ouvert l'ère du règne et clos l'ère de la grâce. C'est l'œuvre de Dieu pour l'ère du règne. Le travail de l'homme au service de Dieu s'appuie sur l'œuvre et la parole de Dieu Tout-Puissant. Ce travail abreuve et guide les élus de Dieu. Il les conduit à pénétrer dans la réalité des paroles de Dieu et dans le juste chemin de la croyance en Dieu, en diffusant et en rendant témoignage à l'évangile de Dieu Tout-Puissant sur la venue du règne. C'est le travail de l'homme employé par Dieu à l'ère du règne. Ça nous permet de voir que l'œuvre de Dieu lors de ces deux incarnations correspond au début d'une ère et marque la fin d'une autre. Ceci est orienté vers la totalité de l'humanité et constitue une étape de la réalisation du plan de gestion de Dieu. Il s'agit précisément de l'œuvre de rédemption et de salut de l'humanité. L'œuvre de Dieu lors de ses deux incarnations atteste que seul Dieu peut exprimer la vérité dans son œuvre pour purifier et sauver l'humanité. Jamais aucun homme sur terre ne peut ni ne pourra accomplir l'œuvre de Dieu. Il n'y a que Dieu incarné et lui seul qui puisse accomplir l'œuvre de Dieu. Dans les deux cas où Dieu s'est fait chair, il atteste que seul Christ est la vérité, le chemin et la vie. En dehors de Dieu incarné, aucune autre personne ne peut accomplir l'œuvre de Dieu. Aucune autre personne ne peut ouvrir une nouvelle ère, clore une ancienne ère ou encore sauver l'humanité. Le travail des hommes employés par Dieu se limite à être en harmonie avec l'œuvre de Dieu pour conduire, guider les élus de Dieu et remplir le devoir de l'homme. Quel que soit le nombre d'années où l'homme a œuvré et le nombre des paroles qu'il a prononcées, quelle que soit l'importance de son travail vu de l'extérieur, il s'agit uniquement du travail d'un homme. C'est un fait incontestable. C'est la différence principale entre l'œuvre de Dieu incarné et le travail des hommes au service de Dieu, qui travaille pour lui. Les paroles de Dieu tout-puissant ont expliqué la différence entre l'œuvre de Dieu incarné et le travail des hommes à son service, avec simplicité et clarté. Ça fait tellement d'années que nous lisons la Bible et nous ne comprenions pas cette vérité. Il est maintenant clair que la parole de Dieu Tout-Puissant soit vraiment la vérité. Oui, la parole de Dieu Tout-Puissant est tellement merveilleuse. Merci pour cet échange qui nous fait ouvrir les yeux. Grâce à vous, nous savons maintenant... Que l'œuvre de Dieu incarné ouvre une ère et enclos une autre, et que quel que soit le travail réalisé par les hommes au service de Dieu, eux n'ont pas le pouvoir d'ouvrir une ère nouvelle, ni de franchir les frontières des paroles de Dieu. Je suis enchanté d'avoir eu cet échange qui nous a éclairés. C'est exact, les paroles de Dieu Tout-Puissant nous ont permis de comprendre la différence de nature entre l'œuvre de Dieu et le travail des hommes à son service. Nous savons seulement maintenant qu'en accomplissant son œuvre, Dieu incarné exprime des vérités et peut aussi exprimer le tempérament de Dieu et tout ce que Dieu a et est. Si nous acceptons l'œuvre de Dieu et en faisons l'expérience, nous serons capables de comprendre la vérité et nous comprendrons de mieux en mieux le tempérament sain et juste de Dieu, l'essence de Dieu, l'intention que Dieu a de sauver l'humanité, les méthodes de Dieu pour sauver l'humanité et l'amour que Dieu a pour l'humanité. Et ainsi, nous aurons également une meilleure compréhension de l'essence, de la nature et de la vérité de notre corruption par Satan. De cette manière, notre tempérament corrompu pourra être purifié et changé, et nous pourrons nous disposer à une vraie obéissance et à une vraie crainte de Dieu et parvenir au salut de Dieu. Cependant, le travail de l'homme et l'œuvre de Dieu sont complètement différents, car l'homme est incapable d'exprimer la vérité et se contente de faire part de ses expériences personnelles et de sa connaissance des paroles de Dieu, même si celle-ci est conforme à la vérité. Elle se limite à guider les élus de Dieu, à les conduire et à les soutenir. Cela démontre une fois de plus que même quand Dieu lui donne son approbation, le travail de l'homme se borne à être en harmonie avec l'œuvre de Dieu et à remplir son devoir. Si l'individu n'est pas employé par Dieu, s'il n'a pas reçu l'œuvre du Saint-Esprit, alors il est là pour louer les dons des hommes, leurs talents et leur renommée. Et même lorsqu'il explique la Bible, il loue les paroles de l'homme dans la Bible rendant ainsi les paroles de Dieu dépourvues de sens ou les tronquant. Le travail de ces individus est celui des pharisiens, et il consiste à résister à Dieu. Le travail de l'homme se réduit essentiellement à ces deux situations. Dans tous les cas, la plus grande différence entre le travail de l'homme et l'œuvre de Dieu est la suivante. Le seul travail de l'homme ne peut pas aboutir à la purification et au salut de l'homme, contrairement à l'œuvre de Dieu qui peut à la fois exprimer la vérité et offrir à l'homme la purification et le salut. C'est incontestable. L'élément essentiel que nous évoquons ici est la différence entre l'œuvre de Dieu et le travail des hommes employés par Dieu. Le travail des responsables religieux qui ne sont pas employés par Dieu est un autre débat. L'œuvre de Dieu et le travail de l'homme sont différents sur de nombreux points essentiels. Et la question est, comment se fait-il que nous nous obstinions à vénérer l'homme et à le suivre inlassablement tout en ayant foi en Dieu Il a tout à fait oui. Pourquoi y a-t-il encore tant de gens qui confondent le travail de ceux qu'ils vénèrent, comme ces illustres éminents et responsables religieux, avec l'œuvre de Dieu Pourquoi certains vont-ils même jusqu'à confondre l'imposture des faux Christs, qui sont des esprits malfaisants, avec la merveilleuse œuvre de Dieu C'est parce que nous n'avons pas les paroles de vérité, et nous ne sommes pas capables de faire la différence entre le travail de l'homme et l'œuvre de Dieu. Nous ne savons pas faire la différence entre l'essence de Dieu incarné et la nature humaine. En conséquence, nous ne possédons pas les ressources nous permettant de distinguer la vérité de ce qui n'est qu'une pâle copie de la vérité. Nous confondons également la voix de Dieu et les paroles de l'homme. Elles paraissent semblables à nos oreilles. L'une des raisons est que Satan est en nous. Nous avons été corrompus et nous ne vénérons plus que le savoir et le talent. Il est donc particulièrement aisé de confondre la connaissance biblique, les doctrines religieuses et les théories théologiques dont l'homme se fait l'écho avec la vérité. Ces éléments n'appartiennent pas au champ de la vérité. C'est l'homme qui nous les a transmis pour accroître notre savoir, mais ces connaissances ne nous apportent rien de plus que nous n'ayons déjà. Elles ne permettent pas non plus d'étendre davantage notre connaissance de Dieu, ni la crainte que nous lui vouons. Et c'est une réalité absolument indéniable. Ainsi donc, quelle que soit la quantité de travail abattu par l'homme et le nombre de paroles prononcées, la durée du travail accompli par l'homme, l'importance de son travail, cela ne peut pas aboutir à la purification et au salut de l'homme. La vie de l'homme ne changera pas. Cela révèle que le travail de l'homme ne peut jamais se substituer à l'œuvre de Dieu, et que seule l'œuvre de Dieu apportera le salut à l'humanité. Même si l'œuvre de Dieu se réalise sur une période brève et que les paroles qu'Il prononce sont limitées, elles ont néanmoins la capacité d'ouvrir une ère et d'enclore une autre. Elles peuvent aboutir à la rédemption et au salut de l'homme. C'est la différence évidente entre l'œuvre de Dieu et le travail de l'homme. C'est seulement quand nous comprendrons la différence entre l'œuvre de Dieu et le travail de l'homme que nous ne passerons plus notre temps à vénérer l'homme et à le suivre pour enfin discerner et rejeter l'imposture des faux-christ et des antéchrists et mettre fin au contrôle qu'ils exercent. De cette manière, nous serons capables d'accepter et d'obéir à l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours et d'accéder au jugement et à la purification de Dieu pour parvenir au salut de Dieu. Si l'homme ne parvient pas à faire la différence entre l'œuvre de Dieu et le travail de l'homme, nous ne serons pas en mesure de nous libérer de l'imposture des faux Christs et des antéchristes, ni du contrôle qu'ils exercent. Actuellement, nous prétendons croire en Dieu, nous y croyons en théorie, alors qu'en réalité, c'est en l'homme que nous croyons. Nous suivons l'homme, nous le vénérons, nous ne vénérons que des idoles. C'est une façon de s'opposer à Dieu, de le trahir. Si nous persistons à refuser d'admettre que nous sommes dans l'erreur, nous serons maudits et nous serons rejetés par Dieu. Nous serons punis pour avoir offensé le tempérament de Dieu, ainsi que le confirme cet extrait des paroles de Dieu Tout-Puissant. Prenez vos livres et ouvrez page 445. Il serait préférable que ces gens qui disent qu'ils suivent Dieu ouvrent leurs yeux et regardent de plus près pour voir exactement en qui ils croient. Est-ce que tu crois vraiment en Dieu ou en Satan Si tu sais que tu ne crois pas en Dieu, mais en tes propres idoles, alors mieux vaudrait ne pas dire que tu es un croyant. Si tu ne sais vraiment pas en qui tu crois, alors encore une fois, tu ne devrais pas dire que tu es un croyant. Dire cela serait un blasphème. Personne ne t'oblige à croire en Dieu. Ne dites pas que vous croyez en moi, car j'ai suffisamment entendu ces paroles depuis longtemps, et je ne veux plus les entendre, parce que les idoles dans votre cœur et les serpents locaux crapuleux parmi vous, c'est ce en quoi vous croyez. Ceux qui agitent la tête quand ils entendent la vérité, qui sourient grandement quand ils entendent parler de la mort, sont les descendants de Satan. Et ils sont tous des objets à éliminer. Les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant sont concrètes et tellement merveilleuses. C'est vrai, nous n'avions aucun discernement avant, au point même que nous considérions le travail de certains hommes comme étant l'œuvre de Dieu, et nous finissions par croire aveuglément en l'homme. Que nous allions jusqu'à vénérer. Nous avions tort. Quand je repense à mon ignorance, sans la vérité, nous sommes des êtres pitoyables. À partir de maintenant, il n'est plus possible de croire en Dieu tout en vénérant des pasteurs et des anciens. Ce comportement équivaut à vénérer des idoles. C'est blasphémer contre Dieu et il nous punira en nous maudissant et en nous rejetant. C'est exact. Je trouve que cet échange a été particulièrement instructif. Pour déterminer si c'est un travail de l'homme ou l'œuvre de Dieu. Il suffit de vérifier quelle est l'essence de ce travail et surtout quelle en est sa nature. C'est ça. L'œuvre de Dieu incarné consiste à exprimer des vérités pour sauver l'humanité. Les hommes que Dieu emploie accomplissent le travail de coopération humaine qui se fonde sur l'œuvre de Dieu. Et après examen, l'œuvre de Dieu Tout-Puissant qui consiste à juger et purifier l'homme est effectivement l'œuvre de Dieu. <coughs> Depuis que j'ai entendu votre témoignage sur l'œuvre de jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, j'étudie la Bible. J'ai découvert que plus de 200 passages annoncent son œuvre de jugement des derniers jours. Vous avez témoigné de la venue de Dieu pour accomplir son œuvre de jugement dans les derniers jours, et cela coïncide avec la Bible. Mais j'ai une question à vous poser. L'œuvre de l'ère de la loi a été accomplie par Moïse utilisé par Dieu. Pourquoi Dieu n'utilise-t-il pas l'homme pour accomplir son œuvre des derniers jours Pourquoi doit-il s'incarner lui-même pour l'accomplir Il a raison. Dans l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus s'est fait chair pour racheter l'humanité sur la croix, et cette œuvre devait être accomplie par Dieu incarné. L'homme ne pouvait agir en son nom. Alors, pourquoi doit-il s'incarner pour accomplir son œuvre de jugement des derniers jours Ne pourrait-il pas employer un homme comme il l'avait déjà fait dans l'ère de la loi vous demandez pourquoi l'œuvre de jugement de Dieu des derniers jours doit être accomplie par Dieu incarné Pourquoi ne peut-elle pas être réalisée par des hommes que Dieu emploierait comme par le passé C'est en effet une question centrale, directement liée au point essentiel qui permet de savoir si l'homme est en mesure d'être conduit devant le trône de Dieu, d'obtenir le salut et de pénétrer dans le royaume des cieux. C'est un sujet sur lequel Dieu Tout-Puissant s'est longuement exprimé. Je propose que nous lisions ces paroles. Ouvrez à la page 44. L'œuvre du jugement est l'œuvre propre de Dieu. Donc elle devrait naturellement être faite par Dieu lui-même. Elle ne peut pas être faite par l'homme à sa place. Parce que le jugement est la conquête de la race humaine par la vérité, il est incontestable que Dieu apparaît toujours comme l'image incarnée pour accomplir cette œuvre parmi les hommes. C'est-à-dire, dans les derniers jours, Christ utilisera la vérité pour enseigner aux hommes sur la terre et leur faire connaître toutes les vérités. Telle est l'œuvre de jugement de Dieu. Dans les derniers jours, le Christ utilise une variété de vérités pour enseigner l'homme, exposer l'essence de l'homme et disséquer ses mots et ses actes. Ses paroles comprennent diverses vérités, telles que le devoir de l'homme, comment l'homme doit obéir à Dieu, comment l'homme doit être fidèle à Dieu, comment l'homme doit vivre l'humanité normale, ainsi que la sagesse et le tempérament de Dieu, et ainsi de suite. Ces paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier, ces paroles qui exposent comment l'homme rejette Dieu sont prononcées au sujet de la manière dont l'homme est une incarnation de Satan, et une force ennemie contre Dieu. En entreprenant son œuvre de jugement, Dieu ne fait pas que préciser ce qu'est la nature de l'homme par quelques mots seulement. Il expose, le traite et l'émonde à long terme. Ces méthodes d'exposer, de traiter et d'émonder ne peuvent pas être substituées par des mots ordinaires, mais par la vérité que l'homme ne possède pas du tout. Seules les méthodes de ce genre sont considérées comme un jugement. C'est seulement par un jugement de ce genre que l'homme peut être maîtrisé et forcé à se soumettre à Dieu et acquérir de surcroît une vraie connaissance de Dieu. Ce que l'œuvre de jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu et la vérité sur sa propre rébellion. L'œuvre du jugement permet à l'homme de mieux comprendre la volonté de Dieu, le but de son œuvre et les mystères qui lui sont incompréhensibles. Cela permet également à l'homme de reconnaître et de connaître son essence corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir la laideur de l'homme. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement, car l'essence de cette œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité, du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont foi en lui. Ce travail est l'œuvre du jugement faite par Dieu. Si vous le permettez, j'aimerais prendre la suite. Pour juger la corruption de la chair de l'homme, personne n'est plus approprié que Dieu dans la chair et personne n'est plus qualifié que Dieu dans la chair. Satan ne peut être vaincu complètement que si Dieu dans la chair juge la corruption de l'humanité. Étant égal à l'homme, dans une humanité normale, Dieu dans la chair peut directement juger l'injustice de l'homme. Ceci est le signe de sa sainteté innée et de son être extraordinaire. Seul Dieu est qualifié pour juger l'homme, est en mesure de juger l'homme, car il détient la vérité et la justice, et donc il est capable de juger l'homme. Ceux qui n'ont pas la vérité et la justice ne sont pas aptes à juger les autres. C'est à cause de ces jugements que vous avez pu voir que Dieu, est le Dieu juste, que Dieu est le Dieu saint. C'est à cause de sa sainteté et de sa justice, qu'il vous a jugé et a fait tomber sa colère sur vous, parce qu'il peut révéler son tempérament juste quand il voit la rébellion de l'humanité, et parce qu'il peut révéler sa sainteté, quand il voit l'infamie de l'humanité. Cela suffit pour montrer qu'il est Dieu lui-même, qui est saint et sans tâche mais qui vit aussi dans un pays de souillure. S'il était un homme qui s'avilissait avec les hommes et n'avait aucun élément de sainteté ou un tempérament juste, il ne serait pas qualifié pour juger l'injustice de l'humanité, ni pour être le juge de l'humanité. Si l'homme devait juger l'homme, ne serait-ce pas comme gifler son propre visage Comment quelqu'un pourrait-il avoir le droit de juger le même type d'homme, quelqu'un qui est tout aussi souillé qu'eux. Le seul qui peut juger toute l'humanité souillée est le Dieu Saint lui-même. Et comment l'homme pourrait-il juger les péchés de l'homme Comment les hommes pourraient-ils être capables de voir les péchés de l'homme Et comment pourraient-ils être qualifiés pour condamner l'homme si Dieu n'avait pas le droit de juger les péchés de l'homme, alors comment pourrait-il être le Dieu juste lui-même Lorsque le tempérament corrompu des hommes est révélé, il dit ce qu'il pense pour les juger, et alors seulement ils peuvent voir qu'il est saint. Amen. Dieu Tout-Puissant nous explique clairement le sens de l'incarnation de Dieu pour accomplir l'œuvre de jugement dans les derniers jours. L'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours s'accomplit à travers les vérités que Dieu exprime, son tempérament de justice, sa toute-puissance et sa sagesse afin de révéler la nature satanique de l'humanité corrompue pour libérer l'humanité de l'influence de Satan, changer le tempérament de vie de l'homme et parfaire l'homme en lui donnant accès à la vérité, en lui permettant d'atteindre la compréhension de Dieu et de vivre une vie qui ait du sens. Une telle œuvre de salut et de perfectionnement de l'homme doit être accomplie personnellement par Dieu incarné lui-même, car dans les derniers jours, les hommes sont corrompus et imprégnés du tempérament de Satan. Ils sont profondément arrogants, malins et trompeurs, égoïstes et méprisables. Ce sont tous des descendants de Satan. Ils ont perdu la morale et la personnalité associées à l'humanité. Ils sont comme des animaux sans âme et n'ont plus aucune ressemblance avec des êtres humains. Pour que Dieu sauve des êtres humains aussi profondément corrompus, il doit s'incarner afin d'exprimer directement les paroles de Dieu et exprimer son tempérament divin de justice, de majesté et de courroux pour juger, conquérir et purifier l'humanité. Il doit permettre à l'homme d'entendre sa voix et également de voir le tempérament de Dieu et sa colère. C'est alors seulement que l'humanité corrompue peut être complètement conquise et vaincue. C'est alors seulement que l'homme tombera à terre, craindra Dieu, obéira à Dieu et rejettera le mal. C'est le résultat auquel peut aboutir l'œuvre de jugement de Dieu incarné. Dieu ne se fait pas cher uniquement pour exprimer les paroles de Dieu. Le plus important est de permettre à l'humanité de voir l'apparition de Dieu et son tempérament, de voir les actes de Dieu, sa toute-puissance et sa sagesse. L'homme doit aussi voir le tabernacle de Dieu auprès des hommes, et Dieu vivant auprès des hommes, et l'humanité vivant sous le regard de Dieu, l'humanité qui échange et converse directement avec Dieu. Tout ceci s'accomplit lorsque Dieu est de retour en tant que Fils de l'homme. C'est la signification réelle de l'incarnation de Dieu qui accomplit son œuvre de jugement. Tous ceux qui ont fait l'expérience de l'œuvre de jugement de Dieu des derniers jours peuvent apprécier personnellement ces éléments. Je m'aperçois à quel point l'œuvre de jugement de Dieu des derniers jours est riche de sens et de vérité. J'avoue qu'il y a certaines choses sur lesquelles je ne suis pas sûr. Dieu peut employer des prophètes pour transmettre les paroles de Dieu. Donc Dieu des derniers jours aurait aussi pu employer des hommes pour transmettre les paroles de Dieu pour accomplir son œuvre de jugement. Est-ce que j'ai bien compris ou non Je ne sais plus. De très nombreuses personnes ont du mal à comprendre pourquoi Dieu n'emploie pas des hommes pour accomplir son œuvre de jugement des derniers jours. La raison principale est que l'essence de l'homme est celle d'une humanité corrompue. Même lorsqu'il a été rendu parfait et qu'il est dirigé par le Saint-Esprit, il n'est toujours pas digne d'exprimer les paroles de Dieu. Il n'est pas digne non plus d'exprimer le tempérament de Dieu, sa toute-puissance et sa sagesse, ainsi que tout ce qu'il a et est. Car un homme employé par Dieu est humain par essence et n'a pas d'essence divine en lui. Il n'est donc pas habilité à œuvrer en prenant l'identité de Dieu. Quoi qu'il dise ou fasse, il ne peut pas représenter Dieu et ne peut donc pas accomplir l'œuvre de salut de l'humanité. Dieu a fait de Moïse son instrument pour accomplir l'œuvre de l'ère de la loi. Moïse pouvait uniquement transmettre les paroles de Dieu, tel un prophète. Alors, pourquoi n'a-t-il pas osé parler en nom et place de Dieu Parce que tout messager qu'il soit, ça reste un homme et non Dieu incarné. Voilà donc la différence essentielle entre Dieu incarné et un individu employé par lui. Certains se disent, mais puisque Dieu a employé Moïse pour accomplir son œuvre au cours de l'ère de la loi, pourquoi n'a-t-il pas là aussi employé l'homme pour accomplir son œuvre de jugement des derniers jours Dieu a employé Moïse pour accomplir son œuvre au cours de l'ère de la loi dans un contexte particulier. L'homme était peu corrompu par Satan durant l'ère de la loi. L'œuvre de l'ère de la loi ne consistait pas à changer le tempérament de l'homme, mais à promulguer les commandements, les lois et les décrets visant à orienter la vie des gens. Dieu a essentiellement employé Moïse pour promulguer des commandements, des lois et des décrets, pour dire aux hommes comment respecter les lois et les commandements de l'Éternel et selon quels principes ils doivent vivre, afin que les hommes comprennent comment ils doivent vivre devant Dieu et Le vénérer, et qu'ils enseignent à leur tour aux générations suivantes de quelle façon ils doivent vivre sur terre. Pour atteindre ces objectifs, l'emploi de Moïse par Dieu pour accomplir Son œuvre était suffisant. Cela montre que dans chaque ère que Dieu prenne chair afin d'accomplir Son œuvre ou qu'Il emploie l'homme, tout est fait selon le plan de gestion de Dieu. Et selon les besoins de l'humanité corrompue, les œuvres de rédemption dans l'ère de la grâce et de jugement dans les derniers jours sont des œuvres qui correspondent au début d'une ère et à la fin de l'autre. Ce sont toutes les deux des œuvres de rédemption et de salut de l'humanité. Et elles doivent être accomplies par Dieu incarné lui-même. Personne ne peut se substituer à lui. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont d'une indéniable limpidité. L'œuvre des derniers jours est l'œuvre de Dieu exprimant des vérités et le tempérament de Dieu dans le but de juger l'homme, de le purifier et de le sauver. Seul Dieu incarné peut accomplir une œuvre aussi essentielle. L'homme n'est pas Dieu incarné et ne détient pas la vérité. Il n'est absolument pas capable d'accomplir l'œuvre du jugement de Dieu des derniers jours. C'est évident, et nous sommes tous d'accord, il n'y a que Dieu lui-même qui puisse accomplir l'œuvre de Dieu. Rien ni personne ne peut le faire en son nom. J'ai une autre question à vous poser. J'ai lu dans la Bible les paroles de Dieu, ainsi que celles du Seigneur Jésus. J'ai aussi récemment lu quelques-unes des paroles de Dieu Tout-Puissant. Elles sont toutes empreintes de vérité, d'autorité et de puissance. Mais les paroles des illustres éminences religieuses sont également conformes à la vérité et sont constructives pour les gens. Donc ma question est, puisque leur sens est conforme à la vérité, quelle différence avec les paroles de Dieu J'aimerais avoir votre point de vue. J'espère que vous pourrez m'éclairer. Je vous remercie d'en avoir parlé. Moi aussi, je me posais la question. J'attends votre réponse. Donc, des paroles conformes à la vérité ne sont pas la vérité et on devrait s'en méfier Comment peuvent-elles être d'une essence différente Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop pointilleuse N'avez-vous pas rendu trop compliqué une question très simple Pasteur Kim, le point que vous avez soulevé est réellement crucial. Nombreux sont ceux qui ne parviennent pas à résoudre cette question centrale. C'est la clé pour trouver le véritable chemin. Les gens admettent que la parole de Dieu Tout-Puissant explique tout, qu'elle est la vérité et qu'elle détient autorité et pouvoir, mais parce qu'ils ne peuvent faire la différence entre les paroles d'illustres éminences religieuses qui sont conformes à la vérité et les vérités exprimées par Dieu. Il est très difficile pour eux d'accepter l'œuvre de Dieu et d'être enlevés jusqu'à son trône. Si nous confondons toutes les paroles conformes à la vérité avec les paroles de Dieu, alors nous serons aisément dupés et nous suivrons et vénérerons l'homme. Nous suivrons Satan dans son opposition à Dieu, dans sa trahison envers Dieu et nous offenserons le tempérament de Dieu. C'est comme cela que tant de personnes suivent des pasteurs ou des guides religieux et suivent en fait de faux-Christes. C'est quelque chose que Dieu maudira. Par conséquent, croire en Dieu requiert une capacité à discerner ce qu'est la vérité, de ce qui relève de la connaissance et des doctrines. Il faut parvenir à faire la différence entre la vérité et les paroles qui sont conformes à la vérité. Si nous ne parvenons pas à discerner la vérité, alors comment serons-nous capables de reconnaître le Christ si nous ne voyons pas la différence essentielle entre la vérité et les paroles qui sont conformes à la vérité, alors il nous est impossible d'entendre la voix de Dieu et de revenir à Dieu. C'est absolument certain. Donc, qu'est-ce au fond que la vérité et que sont les paroles qui sont conformes à la vérité Je vous invite à lire ce que Dieu Tout-Puissant nous dit à ce propos. Veuillez prendre la page 826. La vérité est l'aphorisme le plus réel. Mais c'est aussi le plus important des aphorismes de l'humanité, car c'est ce que Dieu exige des hommes, et c'est aussi l'œuvre accomplie par Dieu lui-même. C'est pourquoi elle est appelée l'aphorisme de la vie. Cet aphorisme n'est pas un résumé ni une citation célèbre d'un grand personnage, mais c'est la déclaration adressée à l'humanité par le Maître du ciel et de la terre et de toutes choses. Et ce ne sont pas des paroles résumées par les hommes, mais c'est la vie originelle de Dieu. C'est pourquoi elle est appelée le plus important des aphorismes de la vie. Tu dois comprendre la portée réelle de la vérité. Et tu dois également comprendre ce qui ne se rapporte pas à la vérité. Dis-moi, si certaines personnes acquièrent des idées et ont une certaine compréhension basée sur leurs expériences des paroles de vérité, cela compte-t-il comme la vérité Au mieux, nous pouvons dire qu'elles ont une certaine compréhension de la vérité. Toutes les paroles de l'éclairage du Saint-Esprit ne représente pas la parole de Dieu, ne représente pas la vérité, et elle ne se rapporte pas à la vérité. On peut seulement dire que ces personnes ont une certaine compréhension de la vérité et un certain éclairage du Saint-Esprit. Tous peuvent expérimenter la vérité, mais les situations de leur expérience seront différentes, et ce que chaque personne obtient de la même vérité est différent. Mais même après avoir combiné la compréhension de tous, tu ne peux toujours pas expliquer complètement cette unique vérité. La vérité est à ce point profonde. Pourquoi dis-je que toutes les choses que tu as obtenues et que toute ta compréhension ne peuvent pas être un substitut à la vérité Si tu échanges sur ta compréhension avec les autres, ils peuvent y réfléchir pendant deux ou trois jours et ensuite ils finiront de l'expérimenter. Mais une personne ne peut expérimenter pleinement la vérité même durant toute une vie. Même tous les gens ensemble ne peuvent pas l'expérimenter complètement. Ainsi, on peut voir que la vérité est très profonde. Il n'y a aucun moyen d'utiliser des mots pour articuler pleinement la vérité. La vérité exprimée dans le langage humain est l'aphorisme de l'homme. L'humanité ne l'expérimentera jamais pleinement. Et l'humanité devrait vivre en se fiant à elle. Une partie de la vérité peut permettre à toute l'humanité de survivre pendant des milliers d'années. Et la vérité est la vie de Dieu lui-même, représentant son propre tempérament, représentant sa propre essence, représentant tout en lui. Si tu dis que tu as la vérité et qu'avoir des expériences signifie que tu as la vérité, alors, peux-tu représenter le tempérament de Dieu Tu ne le peux pas. Tu vois, une personne peut avoir une certaine expérience d'un aspect, ou d'un côté d'une vérité, ou avoir une certaine lumière sur elle, mais elle ne peut pas la fournir aux autres pour toujours. Donc sa lumière n'est pas la vérité, c'est juste un degré qu'une personne a atteint, l'expérience, la bonne l'expérience qu'une personne devrait avoir, la bonne compréhension, ce qui est un aspect réaliste de l'expérience de la vérité, cette lumière, cet éclairage, et cette compréhension basée sur l'expérience, ne peuvent jamais être un substitut à la vérité. Même si tous les gens ont fait l'expérience d'une vérité, et qu'ils mettent tous leurs mots ensemble, cela ne peut pas être égal à cette seule phrase de la vérité. C'est juste que la vie de l'homme sera toujours la vie de l'homme, et peu importe combien ta compréhension est conforme à la vérité, conforme à la signification de Dieu, conforme aux exigences de Dieu, elle ne pourra jamais être un substitut à la vérité. Dieu Tout-Puissant nous explique de manière claire le concept de vérité et nous aide à la distinguer des paroles conformes à la vérité. La vérité trouve sa source en Dieu. Toutes les paroles exprimées par Dieu sont la vérité. C'est une réalité indéniable sur laquelle s'appuyer. Alors, comment être sûr de ce qu'est la vérité dans le fond quelle est l'essence de la vérité Comme la vérité est dans son ensemble une expression de Dieu, elle est par nature la révélation de l'essence de la vie de Dieu, de ce que Dieu a et est, ainsi que du tempérament de Dieu. La vérité est la réalité de tout ce qui est positif. Elle est immuable et existera toujours. La vérité est la vie de Dieu telle qu'elle est. Elle est vectrice d'autorité et de puissance. Voilà pourquoi la vérité peut purifier l'homme, elle peut le sauver, le parfaire et être sa vie éternelle. En exprimant la vérité, Dieu a pour dessein de faire en sorte que l'homme fasse de la vérité sa vie et qu'il mène son existence en se conformant aux paroles de Dieu. Si l'humanité fait de la vérité sa vie, sa nature corrompue et son tempérament satanique seront entièrement purifiés. C'est en menant une existence de vérité que l'homme pourra vivre tel un homme vrai, et que donc il deviendra saint, et qu'il se conformera aux intentions de Dieu. C'est ainsi que le sens de la création de l'homme par Dieu est complètement abouti. On comprend donc que c'est vers cet aboutissement que tend l'œuvre de Dieu visant à sauver l'humanité. Les hommes qui ont survécu au grand désastres obéiront tous à Dieu et le vénéreront. Tous sont des êtres humains qui ont obtenu la vérité et accédé au salut. Ces hommes seront conduits par Dieu dans son royaume, ils jouiront de la promesse de Dieu et accéderont à cette merveilleuse destination. Ce sont les paroles de Dieu qui accompliront toutes ces actions, ce sont les vérités exprimées par Dieu qui aboutiront à tous ces effets. Alors même si les paroles de ces illustres éminences religieuses sont conformes à la vérité et sont utiles pour les gens, on ne peut pas les considérer comme la vérité ni les comparer aux paroles de Dieu. Les paroles de Dieu peuvent être la vie de l'homme. Les paroles des hommes ne peuvent pas être la vie de l'homme. Et aussi, la vérité peut purifier l'homme. Elle peut le transformer et le rendre parfait, alors que les paroles de l'homme, même conformes à la vérité, sont incapables de changer la nature de l'homme, de le purifier ou de le parfaire. C'est une réalité que personne ne peut mettre en doute. Comme nous le constatons, Nombreux sont ceux que Dieu a employés au cours des différentes ères, et qu'importe qui ils sont ou le nombre d'années à son service à prononcer des paroles pour lui, leur travail ne pourra jamais aboutir à la purification, le salut et le perfectionnement de l'homme. Savez-vous pour quelles raisons? Parce que les paroles prononcées par l'homme, même conformes à la vérité, sont toutes définies par leur expérience et leur connaissance limitée de la parole de Dieu et de la vérité. Les hommes expriment leur propre point de vue et opinion, et cela reflète leur stature personnelle, leur connaissance de Dieu et de la vérité. Même si la communication est pure, conforme à la vérité, même si elle est constructive et aide l'homme, de telles paroles ne peuvent être considérées que comme des paroles exactes, des paroles fiables, mais les paroles qui sont conformes à la vérité sont néanmoins différentes de l'essence de la vérité elle-même et ne peuvent pas être considérées comme la vérité. Les livres que ces personnes écrivent et les paroles qu'elles transmettent viennent du fardeau qu'elles ont reçu de l'Église. Ces paroles servent à guider l'Église, à réconforter et à encourager les croyants, à aider les gens, à résoudre certaines de leurs difficultés et de leurs confusions dans leur croyance en Dieu. Mais aussi bienveillantes ces paroles soient-elles, elles ne peuvent satisfaire les gens que pendant une période de temps assez brève et ne pourraient jamais se substituer aux effets de l'œuvre de Dieu. Les faits suffisent à nous le démontrer. Les paroles de l'homme, conformes à la vérité, n'ont rien de commun avec la vérité elle-même et ne peuvent pas être considérées comme la vérité et encore moins comme les paroles de Dieu. C'est la différence essentielle entre les paroles prononcées par l'homme et la vérité elle-même. Je pense que c'est clair à présent. Merci pour ce formidable échange. Il est vrai que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont extrêmement claires. Je crois au Seigneur depuis fort longtemps et je n'avais jamais entendu personne faire la distinction entre les paroles de Dieu et les paroles des grandes éminences religieuses avec autant de clarté. L'échange d'aujourd'hui nous a énormément aidés. Avant, on vénérait les anciens et les pasteurs, et on admirait les professeurs et les prétendus experts qui pouvaient décrypter oh, la oui. Bible sous prétexte de l'avoir longtemps étudiée. Oui, oui. Nous considérions leurs paroles comme vérité. Nous manquions de discernement et nous étions insensés. Quand on ne connaît pas la vérité, on peut facilement se faire berner. Oui, on tombe dans tout le tout piège. Nous avons été crédules. Ça me paraît évident que les paroles de l'homme ne peuvent pas et n'ont jamais pu exprimer la vérité. Uh, Pasteur Zhang. Les théories théologiques que nous avons apprises ne sont pas la vérité. Exact. Ces théories théologiques sont des connaissances et des doctrines que l'homme a résumées. Ce n'est pas la vérité. Ah, très juste. Maintenant, nous comprenons que seules les paroles de Dieu sont la vérité et non celles de l'homme. Ah, j'ai beaucoup aimé les propos que nous avons échangés aujourd'hui. Cette réunion a corrigé de nombreuses erreurs dans notre foi. Est-ce qu'il en est de même pour vous, Pasteur Kim La réponse que je vous ai apportée vous satisfait-elle Oui, elle a répondu à ma question. Et maintenant, je comprends. Seule la parole de Dieu est la vérité. Les paroles des éminences religieuses sont conformes à la vérité, mais elles sont trop éloignées de l'essence de la vérité et ne doivent pas être prises pour la vérité. La vérité est la vérité, les doctrines sont les doctrines, elles ne sont pas équivalentes. Les paroles de Dieu Tout-Puissant nous aident à résoudre nos problèmes pratiques. Les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant sont ce qui nous manque actuellement pour aider l'humanité à faire les bons choix. Rendons grâce à Dieu Tout-Puissant de nous avoir ouvert les yeux. Amen. L'échange que vous venez d'avoir est extrêmement éclairant. Je comprends mieux à présent. Les paroles des figures spirituelles peuvent être constructives pour les gens, mais ce ne sont que des paroles conformes à la vérité. Elles ne peuvent pas être considérées comme les paroles de Dieu, donc être la vérité. Les théories théologiques émises par l'homme viennent de leur connaissance. Elles ne sont pas forcément conformes à la vérité. Seules les paroles de Dieu sont la vérité et peuvent être la vie de l'homme. C'est un fait avéré. Néanmoins, je ne suis pas sûr de comprendre en quoi les paroles de Dieu sont la vie de l'homme, ni quels résultats elles génèrent. Pourriez-vous m'éclairer un peu sur le sujet La question que le pasteur soulève est extrêmement profonde. <coughs> les lettres des apôtres ont toutes été issues de l'inspiration de Dieu et sont toutes les paroles de Dieu. Les écrits spirituels des éminences religieuses proviennent d'une illumination du Saint-Esprit, donc ils proviennent aussi directement de Dieu. Si vous voulez mon avis, ce sont toutes des paroles de vérité et nous ne devrions pas les mettre en doute. Ce qui est conforme à la vérité est la vérité. Seul ce qui n'est pas conforme à la vérité n'est pas la vérité. Toutes les paroles qui sont conformes à la vérité peuvent être la vie de l'homme. Seules des paroles qui ne sont pas conformes à la vérité ne peuvent être la vie de l'homme. Quel problème y a-t-il à voir les choses de cette manière Pardonnez-moi, mais vous avez tort. Les frères et sœurs de l'Église de Dieu Tout-Puissant viennent de l'expliquer très clairement. Comment se fait-il que vous ne compreniez pas que les paroles de l'homme ne peuvent pas être identiques aux paroles de Dieu les paroles de Dieu sont suprêmes et sont empreintes de l'autorité et de la puissance de Dieu. Même les paroles les plus conformes à la vérité ne peuvent être comparées aux paroles de Dieu. Oh, oui, vrai. Si les paroles des éminences religieuses sont la vérité, pourquoi ces hommes n'ont-ils pas acquis la vérité et la vie Comment se fait-il qu'ils ont cru en Dieu sans jamais être loués par Dieu Il a raison. Oui. Ces paroles ne les ont même pas changées eux-mêmes. Comment pourrait-elle changer les autres Voilà une argumentation bien menée. La vérité devient de plus en plus claire à mesure que nous discutons. Et nous comprenons que seules les paroles de Dieu peuvent être la vie de l'homme, transformer la nature de l'homme et le rendre parfait. Même si elles sont conformes à la vérité, les paroles de l'homme ne sont pas la vérité. Elles ne peuvent pas modifier la nature de l'homme ni le parfaire. C'est une vérité irréfutable qui a été largement prouvée. Même si partout dans le monde, les gens admettent que seules les paroles de Dieu peuvent être la vie de l'homme, peu de personnes parviennent à comprendre en profondeur que les paroles de Dieu sont la vie de l'homme et quels sont les effets que ça génère. Les personnes qui parviennent à appréhender cette question ont faim de vérité et cherchent activement la vérité. Mais très peu de personnes arrivent à comprendre ce qu'est réellement la vérité et elles sont encore moins nombreuses à parvenir à comprendre pourquoi la vérité peut être la vie de l'homme et à quel résultat cette vérité qui est la vie de l'homme va aboutir Pour comprendre et appréhender convenablement cet aspect de la vérité, il faut d'abord prendre conscience que l'homme a été créé par Dieu et que la vie de l'homme provient de Dieu. L'homme doit donc comprendre qu'il doit la vie à son Créateur et que personne à part Dieu ne peut lui accorder la véritable vie. Ainsi qu'il est écrit au début de la Genèse. Puis Dieu dit Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu a créé l'homme à son image. Nous pouvons donc supposer que Dieu accordera à l'homme la vie nouvelle. À chaque fois que Dieu s'est fait cher pour racheter et sauver l'humanité, il a déclaré Je suis la vérité, le chemin et la vie. Ces paroles nous indiquent que Dieu est revenu pour nous apporter le chemin de la vie éternelle. Il est absolument évident que Dieu accordera la vie éternelle à l'homme et permettra à l'homme d'obtenir la vie éternelle. Le chemin de la vie éternelle est toutes les vérités exprimées par Dieu pour purifier l'homme, le perfectionner et le sauver. Le Seigneur Jésus a dit un jour, en vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela Les paroles du Seigneur Jésus sont parfaitement claires et limpides. Le chemin proposé par Dieu, c'est la vie éternelle en récompense à tous ceux qui vivent et croient en lui. Si l'homme parvient à rester sur le chemin de Dieu, alors il ne verra jamais la mort. Si l'homme respecte le chemin de Dieu, il aura la vie éternelle. Dieu Tout-Puissant dit. Attendez, est-ce que nous pourrions avoir ce livre Oui, je J'aimerais si en vous avoir un. Ça aussi. Merci beaucoup. Je vous remercie. Veuillez ouvrir à la page 57. Le Christ des derniers jours apporte la vie et apporte le chemin de la vérité durable et éternelle. Cette vérité est le chemin par lequel l'homme obtiendra la vie, et le seul chemin par lequel l'homme connaîtra Dieu et sera approuvé par Dieu. Si tu ne cherches pas le chemin de la vie offert par le Christ des derniers jours, alors tu n'auras jamais l'approbation de Jésus et ne seras jamais qualifié pour franchir les portes du royaume des cieux. Car tu es une marionnette et un prisonnier de l'histoire. Celui qui souhaite avoir la vie sans compter sur la vérité prêchée par le Christ est le plus ridicule sur la terre, et celui qui n'accepte pas le chemin de la vie apporté par le Christ est perdu dans le fantasme. Et donc je dis que celui qui n'accepte pas le Christ des derniers jours sera à jamais méprisé par Dieu. Le Christ est la porte d'entrée de l'homme dans le royaume au cours des derniers jours. Personne ne peut le contourner. Nul ne peut être perfectionné par Dieu si ce n'est par le Christ. Dieu Tout-Puissant a expliqué cette vérité de manière éclatante. Le chemin de la vérité apporté par le Christ des derniers jours est le chemin de la vie éternelle. Ce chemin de la vie éternelle est la vie éternelle que Dieu accorde à l'humanité. Si un homme obtient la vie promise et accordée par Dieu, alors il obtiendra la vie éternelle et ne mourra jamais. J'imagine que certains parmi vous se demandent pourquoi seules ces paroles peuvent être la vie éternelle. Je vous invite à regarder ce que dit Dieu Tout-Puissant sur la question. Ouvrez à la page 53. Le chemin de la vie n'est pas quelque chose qui peut être possédé par tout le monde, il n'est pas non plus facilement accessible par tous, c'est parce que la vie ne peut venir que de Dieu. En d'autres termes, seul Dieu lui-même possède l'essence de la vie. Il n'y a pas de chemin de la vie sans Dieu lui-même, et ainsi, seul Dieu est la source de la vie et la source intarissable de l'eau vive de vie. Depuis qu'il a créé le monde, Dieu a fait beaucoup de travail impliquant la vitalité de la vie. Il a fait beaucoup de travail qui apporte la vie à l'homme et a payé le prix fort pour que l'homme ait la vie, car Dieu lui-même est la vie éternelle et Dieu lui-même est le chemin par lequel l'homme est ressuscité. La vie de l'homme provient de Dieu. Le ciel existe grâce à Dieu et l'existence de la terre provient de la puissance de la vie de Dieu. Aucun objet qui possède la vitalité ne peut transcender la souveraineté de Dieu. Et aucune chose, aussi vigoureuse qu'elle soit, ne peut sortir de la portée de l'autorité de Dieu. Seul Dieu a le chemin pour la vie, comme sa vie est immuable. Elle est éternelle puisque Dieu seul est le chemin de la vie. Ainsi Dieu lui-même est le chemin de la vie éternelle. Permettez-moi de lire la suite. Dieu lui-même est la vie et la vérité et sa vie et la vérité coexistent. Celui qui est incapable d'obtenir la vérité n'aura jamais la vie. Sans la direction, le soutien et la fourniture, de la vérité, tu n'auras que les écrits, les doctrines et de plus la mort. La vie de Dieu est toujours présente et sa vérité et sa vie coexistent. Si tu ne peux pas trouver la source de la vérité, alors tu n'auras pas la nourriture de la vie. Si tu ne peux pas obtenir la fourniture de la vie, alors tu ne connaîtras sûrement pas la vérité. Et donc en dehors des imaginations et des conceptions, tout ton corps ne sera rien d'autre que de la chair, ta chair puante. Sache que les écrits des livres ne comptent pas autant que la vie. Les enregistrements de l'histoire ne peuvent pas être honorés comme la vérité. Et les doctrines du passé ne peuvent pas servir de récit des paroles actuellement prononcées par Dieu. Seul ce qui est exprimé par Dieu quand il vient sur terre, et vit parmi les hommes et la vérité, la vie, la volonté de Dieu et sa manière réelle de travailler. Arrêtons-nous ici. Dieu Tout-Puissant explique très clairement pourquoi les paroles de Dieu peuvent être la vie de l'homme. Dieu est la source de vie de toutes choses dans les cieux et sur terre. Dieu n'a pas seulement créé les cieux et la terre et toutes choses, mais il règne également sur les cieux et la terre et toutes choses. C'est un fait entendu. Dieu est le Dieu qui existe en lui-même et de toute éternité. Seul Dieu est la vie éternelle. C'est pourquoi Dieu peut régner sur le destin de toutes choses. Et à part lui, aucun être au monde, aucun événement, ni aucune chose ne dure pour l'éternité. Dieu a eu recours à sa parole pour créer les cieux et la terre et toutes choses. La parole de Dieu est de toute éternité. Comme le Seigneur Jésus l'a dit, le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Donc la vérité exprimée par Dieu existera pour toujours et ne changera jamais. C'est la vie éternelle. La parole de Dieu elle-même est le chemin de la vie éternelle et peut-être la vie éternelle de l'homme. Toutes les paroles exprimées par Dieu incarné sont la révélation de la vie de Dieu. Ce sont toutes des expressions du tempérament de justice de Dieu et de tout ce qu'il a et est. Elle représente la toute-puissance de Dieu et sa sagesse. Et ce sont toutes les intentions et les exigences que le Seigneur de la création a vis-à-vis -vis de l'homme. Ce sont toutes des vérités que l'humanité corrompue doit posséder pour atteindre le salut. C'est le chemin de vie éternel que Dieu a accordé à l'humanité. Tous ceux qui ont vraiment fait l'expérience de la parole de Dieu ont reconnu ce fait. Plus on fait l'expérience de la parole de Dieu et plus on sent que la parole de Dieu est la vérité et la vie. Elle est inépuisable en richesse et toujours disponible. Chaque phrase de la parole de Dieu comble l'homme qui en fait l'expérience et l'enrichit pendant toute la durée de sa vie. Lorsque l'homme fera l'expérience de la parole de Dieu, il pourra accéder à la vérité et à la vie grâce à la parole de Dieu. En menant son existence selon la parole de Dieu, il éprouvera un sentiment de satiété dans son cœur, de la joie, de la paix, du réconfort et de l'espoir. Parce qu'au fond de son cœur, il sentira la présence de Dieu à ses côtés. Il sentira que la parole de Dieu lui donne beaucoup de force et que la parole de Dieu peut devenir sa foi et sa vie. Tous ces éléments suffisent à démontrer que la parole de Dieu est bien la vérité éternelle qu'il nous offre et que seule la parole de Dieu peut être et nous offrir la vie éternelle. C'est absolument indéniable. Au cours de son œuvre de jugement des derniers jours, Dieu exprime sa vérité, et toute la vérité qu'il exprime est la vie que Dieu accorde à l'humanité. Chaque élément de vérité peut faire partie de la vie de l'homme. La vérité qui consiste à être quelqu'un d'honnête peut pousser l'homme à mener une existence humaine ordinaire et à vivre tel un homme vrai. Le fait de connaître Dieu peut permettre à l'homme de révérer Dieu, de lui obéir, de le vénérer et d'être béni par lui sur mille générations. En s'en remettant à Dieu et en lui obéissant, l'homme pourra être guidé par Dieu et recevoir ses bénédictions. Si l'homme aime sincèrement Dieu, il pourra être employé par Dieu pour accomplir de grandes choses et servira toujours Dieu. Marcher sur le chemin de Dieu, craindre Dieu et fuir le mal, cela peut permettre à l'homme d'obtenir la promesse de Dieu et d'accéder au royaume des cieux. Tout cela démontre que lorsqu'on accède à ces vérités, on accède à la vie éternelle et on jouit de bénédictions éternelles. Les éléments de vérité peuvent chacun faire partie de la vie de l'homme et lui apporter des bénédictions durant toute sa vie. Voilà le sens véritable de la vérité comme élément constitutif de la vie de l'homme. Voilà une réponse claire et précise. La parole de Dieu Tout-Puissant est en effet la vérité et peut être la vie de l'homme. Nous sommes maintenant en mesure de comprendre pourquoi seule la parole de Dieu peut être la vie de l'homme. C'est parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui soit la vérité et parce que seule la vérité peut être la vie de l'homme. C'est un fait absolument et clairement irréfutable. Nous allons maintenant voir quel bénéfice l'homme qui accepte la parole de Dieu peut attendre dans sa vie. Penchons-nous à nouveau sur les paroles de Dieu Tout-Puissant. Veuillez aller à la page 320. Je vais lire. Bien que le mot parole soit simple et ordinaire, la parole qui sort de la bouche de Dieu fait chair, fait trembler l'univers entier. Sa parole transforme le cœur de l'homme, les notions et l'ancien tempérament de l'homme, ainsi que l'aspect ancien du monde entier. À travers les âges, seul le Dieu d'aujourd'hui œuvre de telle manière, et lui seul parle et sauve l'homme comme cela. Ensuite, les hommes vivent sous la conduite de la parole. Et sont guidés et approvisionnés par la parole. Ils vivent dans le monde de la parole, vivent dans les malédictions et les bénédictions de la parole de Dieu, et en plus vivent sous le jugement et le châtiment de la parole. Ces paroles et cette œuvre visent le salut de l'homme, la réalisation de la volonté de Dieu et le changement de l'aspect originel du monde de la vieille création. Dieu a créé le monde par la parole, dirige les hommes dans l'univers par la parole, les conquiert et les sauve par la parole. Enfin, il utilisera la parole pour amener à sa fin le monde entier d'antan. Alors seulement le plan de gestion sera achevé. Quelqu'un vit dans la lumière seulement s'il connaît Dieu et possède la vérité, et il change fondamentalement seulement lorsque sa vision du monde et sa vision de la vie change. Quand il a son but dans la vie et se conduit selon la vérité, quand il obéit à Dieu absolument et vit par la parole de Dieu, quand il se sent assuré et éclairé au plus profond de son âme, quand son cœur est libre de l'obscurité, et quand il vit librement et sans retenue en présence de Dieu, alors seulement il vit une vraie vie humaine et possède la vérité. D'ailleurs, les vérités que vous possédez viennent de la parole de Dieu et de Dieu lui-même. Le souverain de l'univers entier et de toutes choses, Dieu très haut, t'approuve comme un vrai homme qui vit la vraie vie humaine. Qu'est-ce qui pourrait être plus signifiant que l'approbation de Dieu Telle est une personne qui possède la vérité. Dieu Tout-Puissant a très clairement expliqué quels effets peut avoir la parole de Dieu lorsqu'elle est vécue par l'homme au quotidien. Nous avons accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours et constaté que toutes les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant sont la vérité et qu'elles sont également toutes le tempérament de Dieu et ce qu'il a et est. Grâce à la parole de Dieu Tout-Puissant, nous comprenons maintenant tous les mystères du plan de gestion de Dieu. Dieu Tout-Puissant a révélé la vérité intrinsèque des trois phases de l'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité. Le mystère de Dieu prenant chair, le sens du nom de Dieu et la réalité des histoires de la Bible. La façon dont Satan corrompt l'humanité et dont Dieu la sauve. La destination et la fin des différents types d'individus et la quête dans laquelle l'homme doit se lancer pour accéder au salut, à la perfection et ainsi de suite. Dieu Tout-Puissant nous a ouvert les yeux et il nous offre un festin pour les yeux. La parole de Dieu Tout-Puissant est comme une épée à double tranchant. Elle révèle entièrement notre nature satanique et toutes les facettes les plus abjectes de notre personnalité, résultant de notre désobéissance et de notre opposition à Dieu, ce qui nous permet de mesurer à quel point nous avons effectivement été corrompus par Satan, et à quel point nous sommes loin de ressembler à des êtres humains, d'où l'impression de n'avoir nulle part où nous cacher et le sentiment profond de honte que nous éprouvons. La parole de Dieu nous a entièrement conquis. Ce qui montre que la parole de Dieu est la vérité et qu'elle peut conquérir l'humanité. Faire l'expérience du jugement de la parole de Dieu Tout-Puissant, c'est se retrouver face à Dieu. Nous avons appris à connaître son tempérament juste et à percevoir la majesté de Dieu. Nous percevons également sa colère et son intolérance aux offenses de l'homme, donnant ainsi naissance à un cœur qui révère Dieu. C'est là le résultat de la vérité de la parole de Dieu accomplissant son œuvre de purification et de perfection de l'homme. Le jugement de la parole de Dieu Tout-Puissant a changé notre vision de la vie et des valeurs à différents niveaux. Dans le passé, nous courions après la fortune, la renommée et la position sociale. Aujourd'hui, nous cherchons avant tout la vérité. Nous aspirons à devenir des personnes honnêtes qui connaissent Dieu, le vénèrent, l'aiment et obéissent à sa volonté. Nous avons évolué et nous voulons accomplir notre devoir en tant qu'êtres créés pour satisfaire Dieu. À mesure que notre tempérament de vie se transforme, nous nous rapprochons petit à petit de ce qu'un véritable être humain doit être. Et surtout, nous comprenons que vivre ainsi donne davantage de valeur et de sens à notre existence. En vivant l'œuvre de Dieu des derniers jours, nous avons constaté que les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant avaient le pouvoir de purifier le cœur de l'homme, de le sauver et de l'éloigner du mal, et que les paroles de Dieu Tout-Puissant avaient aussi le pouvoir d'être la vie de l'homme et de lui offrir une existence plus authentique. Toutes ces faveurs sont le bénéfice que l'on obtient par l'œuvre de Dieu dans l'expression de ses paroles. Une fois encore, cela prouve assurément que seule la parole de Dieu et la vérité ont le pouvoir de purifier l'homme, de le sauver et de le parfaire. La parole de Dieu peut être la vie de l'homme et lui offrir le salut éternel. Si quelqu'un accède réellement à la vérité de la parole de Dieu, alors il peut parvenir à connaître Dieu, à obéir à Dieu et à aimer Dieu. Il lui est donné d'accéder à un état d'harmonie avec Dieu et à ne plus jamais trahir Dieu. De cette manière, l'homme obtiendra la vie éternelle et ne sera jamais détruit. Cela résulte du fait que la vérité des paroles de Dieu est la vie de l'homme. Merci pour cet échange aussi intéressant qu'utile. Nous savons maintenant que seule la parole de Dieu peut purifier, transformer et sauver l'homme en lui permettant d'atteindre la sainteté et de vivre une vraie vie. Seule la parole de Dieu peut être effectivement la vie de l'homme. Oui, c'est exact, oui. Par le passé, nous ne savions pas que seule la parole de Dieu était la vie éternelle de l'homme. Notre foi en Dieu demeurait confuse, et ça pendant très longtemps, car nous ne cherchions pas la vérité. C'était là notre plus regrettable erreur. Il me paraît évident que croire en Dieu sans rechercher la vérité ne permet vraiment pas d'obtenir la vie. Comment avoir l'approbation de Dieu sans obtenir la vie Maintenant, je comprends enfin. Ce n'est qu'après avoir obtenu la vérité et la vie que l'on peut affirmer croire en Dieu. Ah, c'est tellement... Absolument, oui. Il a parfaitement raison. Je découvre tellement de choses après avoir écouté les frères et sœurs de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Croire en Dieu est plus complexe qu'il n'y paraît. Mais obtenir la vérité comme la vie est réellement riche de sens. Il n'y a pas d'autre vie. C'est la seule vie véritable. Et on peut dire que... L'homme est de plus en plus corrompu parce qu'il n'a pas accepté que la parole de Dieu devienne toute sa vie. Le fait que la parole de Dieu soit la vie de l'homme est une chose extrêmement concrète. La parole de Dieu peut nous libérer de notre tempérament satanique pour que nous devenions saints. Quand nous aurons atteint la sainteté, nous pourrons obtenir la vie éternelle. Il semble que ce que nous apporte Dieu Tout-Puissant soit réellement le chemin de la vie éternelle. Oui. La réunion d'aujourd'hui m'a vraiment aidé à bien faire la part entre les paroles de l'homme et celles de Dieu, et à voir la différence entre l'œuvre de Dieu et le travail de l'homme. C'est tellement capital pour que nous puissions reconnaître la voix du Seigneur et accueillir le retour du Seigneur sur Terre. Les vérités que Dieu Tout-Puissant a exprimées révèlent tous les mystères et nous permettent de croire en Dieu d'une manière claire et lucide. Ah, c'est comme si les nuages s'étaient dissipés et que je voyais le soleil. Rendons grâce à Dieu Tout-Puissant. Amen. Il y a encore une chose que j'aimerais éclaircir. Dieu Tout-Puissant exprime des vérités pour accomplir son œuvre de jugement des derniers jours. Mais comment fait-on l'expérience du jugement et de la purification de Dieu Pourriez-vous nous faire part de vos expériences sur le sujet Je me posais la question, c'est justement le point que je suis en train d'étudier. S'il vous plaît. Nous voudrions savoir comment on fait l'expérience de l'œuvre de jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Oui, oui s'il vous, vous, plaît, plaît, vous plaît, plaît, nous aimerions plaît. vous écouter. D'accord. Merci d'avoir abordé ce sujet complexe. Je vais vous parler de mon expérience après avoir accepté le jugement et le châtiment de la parole de Dieu Tout-Puissant. Cela fait maintenant un peu plus de 30 ans que je crois en Dieu. Depuis toujours, je sers le Seigneur et je me dépense pour lui avec passion et dévouement. Bien sûr, j'ai eu moi aussi mon lot de souffrances. J'ai beaucoup voyagé et je me suis rendu dans des pays comme l'Afrique du Sud ou les Philippines pour y prêcher l'évangile du Seigneur. Je pensais que dans cette société moderne, individualiste et matérialiste, quelqu'un qui, comme moi, abandonnait tout, pour œuvrer sans relâche pour le Seigneur, était forcément quelqu'un qui aimait le Seigneur. Tout ce que je faisais avait certainement pour objectif d'être accepté par le Seigneur. Je pensais que quand le Seigneur viendrait, je serais sûrement conduit dans le royaume des cieux pour y être largement récompensé. C'est seulement après avoir reconnu l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours que j'ai pu me rendre compte à quel point mon raisonnement était faux et arrogant. Permettez-moi de vous lire un passage. Je vous dis ceci, vous aspirez seulement à recevoir la grâce de Jésus et vous voulez simplement profiter du royaume bienheureux du ciel. Pourtant, vous n'avez jamais obéi aux paroles de Jésus et vous n'avez jamais reçu la vérité exprimée par Jésus quand il revient dans la chair. Votre fidélité n'est qu'en parole. Votre connaissance est simplement intellectuelle et conceptuelle. Vos labeurs visent seulement à recevoir des bénédictions du ciel. Et donc, à quoi votre foi doit-elle ressembler Votre cœur est rempli de désirs et de richesses, votre esprit de choses matérielles. Chaque jour, vous calculez comment obtenir quelque chose de moi, évaluant la quantité de richesses et le nombre de choses matérielles que vous avez reçues de moi. Chaque jour, vous attendez toujours de recevoir plus de bénédictions afin de pouvoir jouir encore davantage et même mieux des choses dont vous pouvez jouir. Ce dont vous avez besoin n'est pas la vérité et la vie. Ce n'est pas les principes relatifs à votre comportement, et ce n'est particulièrement pas mon œuvre soignée. Ce dont vous avez besoin, c'est tout ce que vous possédez dans la chair, richesse, statut, famille, mariage, etc. Vous êtes complètement indifférent à mes paroles et mon œuvre. Alors je peux résumer votre foi en un mot tiède. Vous ferez n'importe quoi pour réaliser les choses auxquelles vous vous consacrez absolument, mais j'ai découvert que vous ne négligez pas tout dans l'intérêt des sujets concernant votre croyance en Dieu. Plutôt, vous êtes juste, relativement loyaux et relativement sérieux. C'est pourquoi je dis que ceux qui n'ont pas un cœur de sincérité absolue sont défaillants dans leur croyance en Dieu. Réfléchissez attentivement. Y a-t-il beaucoup de défaillants parmi vous La parole de Dieu a transpercé mon cœur. Elle est plus pénétrante qu'une épée à double tranchant. C'est grâce à sa parole que j'ai compris qu'en fin de compte, je croyais en Dieu uniquement parce que je voulais recevoir sa grâce et ses bénédictions. Ce que j'avais dépensé, abandonné et souffert, je ne l'avais pas fait par amour pour le Seigneur. C'était en fait une monnaie d'échange pour obtenir les bénédictions du royaume des cieux et pour recevoir une plus grande récompense plus tard. Mes motivations malsaines, mes tentatives de négociation avec Dieu et les divers moyens que j'avais employés ont été complètement exposés à la lumière du jour. Tout ça était affreusement laid et méprisable. J'ai pris le temps d'analyser ma façon de croire en Dieu pendant toutes ces années. Quand le Seigneur me privilégiait en m'accordant la grâce de l'harmonie en famille, d'un peu de richesse et de confort, et de la paix en toutes choses. J'étais emplie de joie, je rendais grâce au Seigneur et je louais le Seigneur. Mais quand j'étais confrontée au malheur, aux tourments ou aux épreuves, et que je priais le Seigneur sans qu'il ne m'accorde ce que je lui demandais, mon cœur s'emplissait de reproches, je ne comprenais pas le Seigneur et je m'éloignais de lui. Je parlementais même avec le Seigneur. Et je refusais de me dépenser pour le Seigneur. Mais dès l'instant où je pensais pouvoir à nouveau recevoir les bénédictions du royaume des cieux et les récompenses de Dieu, j'étais de nouveau motivée pour travailler pour le Seigneur. Maintenant que j'y pense, je ne croyais pas vraiment en lui. Je n'aimais pas vraiment le Seigneur. J'essayais de marchander avec le Seigneur, de le tromper et de l'utiliser à mon service. C'est exactement comme Dieu le dit lui-même. L'homme me cherche quand il est en douleur et il regarde vers moi dans les temps d'épreuve. En temps de paix, il aime ma présence. Lorsqu'il est en danger, il me nie. Quand il est occupé, il m'oublie. Et quand il est inactif, il me sert seulement selon la forme. Personne ne m'a jamais aimé tout au long de sa vie. Quand la parole de Dieu Tout-Puissant m'a mise à découvert, j'ai eu profondément honte, sans avoir d'endroit où me cacher. Et j'ai enfin compris que je croyais en Dieu, mais que je ne traitais pas Dieu comme étant Dieu. Je ne lui montrais pas de véritable obéissance ni de dévouement. J'étais pleine d'exigences et de requêtes. J'avais un comportement égoïste et méprisable. J'étais avide et tourné vers moi. Je comprends maintenant que ma nature était totalement satanique. J'étais un être mauvais et méprisable. Et dans mon cœur, je ne cherchais égoïstement que mon bonheur. Il faut aimer Dieu parce qu'il est Dieu et que c'est un Dieu saint et juste. En faisant comme je le faisais, en l'aimant sous condition, en cherchant l'accomplissement de mon propre bonheur, même si j'avais suivi Dieu toute ma vie, je n'aurais jamais pu obtenir l'approbation de Dieu à la fin des fins. Et j'aurais seulement été abandonné et rejeté par Dieu. Une fois que j'ai compris ça, j'ai relu quelques-unes des paroles de Dieu Tout-Puissant. Veuillez prendre la page 342. La foi en Dieu a pour but de t'amener à obéir à Dieu. À aimer Dieu et à accomplir le devoir qui doit être accompli par une créature de Dieu. Tel est le but de la foi en Dieu. Tu dois avoir une connaissance de la beauté de Dieu, savoir que Dieu est digne de révérence, que Dieu accomplit son œuvre de salut pour ses créatures et les perfectionne. Cela est le minimum que ta foi en Dieu doit posséder. La foi en Dieu est principalement le passage d'une vie dans la chair à une vie d'amour de Dieu. D'une vie au sein de la naturalité à une vie dans l'être de Dieu. C'est de quitter la domination de Satan et de vivre sous la garde et la protection de Dieu. C'est d'être capable d'obéir à Dieu et non à la chair. C'est de permettre à Dieu de gagner ton cœur entier, de permettre à Dieu de te perfectionner et de te libérer du tempérament satanique corrompu. Les paroles de Dieu Tout-Puissant ont vraiment éveillé mon cœur et changé mon point de vue erroné sur ma quête. Dès ce moment-là, j'ai senti un changement dans ma foi en Dieu. Obtenir la grâce de Dieu et sa récompense n'a plus été le but de ma quête. Au lieu de cela, j'ai fait attention à rechercher et à pratiquer la vérité en toutes choses, et à remplir mon devoir selon les exigences de Dieu. Je m'intéresse donc à manger et boire la parole de Dieu attentivement. Je me suis arnaché à connaître Dieu et à me connaître également, au travers de ses paroles et de son œuvre. Et j'ai accepté le jugement et le châtiment de Dieu. En faisant l'expérience du jugement et du châtiment de Dieu, j'ai eu accès à une certaine compréhension du tempérament saint et juste de Dieu, et qui ne peut pas être offensé, ainsi que de mes intentions erronées et mes impuretés dans ma foi en Dieu, et dans l'opinion et la représentation que je me faisais de Dieu. J'ai développé une aversion sincère pour ma nature satanique qui s'opposait à Dieu et lui désobéissait. Et j'ai commencé à délaisser la chair et à délaisser Satan. Mon obéissance et mon adoration pour Dieu ont progressivement grandi, et ma relation à Dieu est devenue de plus en plus normale. Parmi les expériences dont j'ai progressivement bénéficié, j'ai compris que le jugement et le châtiment de Dieu étaient en fait le plus vrai et le plus pur amour et le plus grand salut pour l'humanité. Toutes ces années de foi en Dieu n'auraient pas pu me permettre d'accéder à de tels bénéfices. Tout cela m'a été apporté par l'œuvre de jugement de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Gloire à Dieu Tout-Puissant, qu'il en soit remercié. Amen. Amen. C'est formidable de recevoir ces témoignages concrets. Cela m'a permis de voir que la parole de Dieu Tout-Puissant peut juger l'homme, le purifier et le transformer. Maintenant, je suis absolument certain que Dieu Tout-Puissant est l'avènement du Seigneur Jésus. La parole de Dieu Tout-Puissant a démasqué les mauvaises intentions qui se cachent derrière la foi en Dieu. Qui d'autre que le Seigneur Jésus à son retour sur Terre pourrait exprimer des paroles aussi puissantes et pleines d'autorité La parole de Dieu Tout-Puissant est effectivement la voix de Dieu. Il est clair que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus qui est revenu. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Remercions Dieu. Amen. Maintenant, je me sens éclairé. Le Seigneur Jésus est revenu parmi nous sur terre. Et ainsi donc, nous retrouvons à nouveau le Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, je vois maintenant ton apparition. Je sais maintenant que tu es là. Cela faisait tellement longtemps que j'attendais le retour du Seigneur. Jamais je ne m'étais imaginé que le Seigneur Jésus était déjà descendu en secret en Chine et accomplissait son œuvre de jugement, de châtiment et de purification de l'homme. Les actes de Dieu sont merveilleux. L'homme ne peut jamais vraiment les appréhender. Dieu Tout-Puissant, quand tes merveilleuses paroles sont descendues sur moi, je ne t'ai pas immédiatement reconnu. Je n'ai pas tout de suite compris que c'était ta voix. J'avais vraiment perdu tout sens commun. J'étais aveugle et ignorant. Je ne pouvais pas réfléchir clairement. Et malgré ça, tu ne m'as pas abandonné. Tu as même éclairé mon cœur en me permettant d'entendre ta voix et m'a offert le privilège d'être conduit devant toi pas à pas. Dorénavant, j'ai accès à ton eau vive qui abreuve et donne naissance à la vie. Tout cela provient de ta grâce et de ta miséricorde. Je comprends maintenant ton plan de gestion de 6000 ans pour sauver l'humanité. Et je sais comment tu as progressivement sauvé l'humanité de l'emprise de Satan. J'ai compris que ton tempérament n'était pas fait que de compassion et de miséricorde, mais également de majesté et de courroux, de jugement et de juste châtiment. Je comprends que ta parole est réellement la vérité, le chemin et la vie. Oh Dieu Tout-Puissant, je suis à présent certain que tu es mon Sauveur, tu es Seigneur Jésus, dont j'espère le retour depuis tellement d'années. À partir d'aujourd'hui, je suis prêt à t'accepter et à me soumettre à toi, mon Dieu. Je suis prêt à accepter le jugement et la purification de ta parole, à devenir un vrai croyant qui adore Dieu, qui obéit à Dieu et qui est en harmonie avec son Créateur. Oh Dieu Tout-Puissant, j'ai senti en moi ton immense volonté de sauver l'humain corrompu et de le purifier. Je serai en harmonie avec toi. J'utiliserai mon expérience pour témoigner de toi auprès des autres. Je te consacrerai ma vie et ferai de mon mieux pour conduire à toi tous ceux qui croient en ton avènement et attendent avec impatience ton retour parmi nous pour te vénérer et te rendre l'amour que tu nous portes.